Et salut tout le monde, bonjour à tous, bonjour Plutonio, bonjour Justplay, bonjour Corquito. Je suis non pas en compagnie de Dragoo qui a dû malheureusement abandonner. Le traître. Je suis en compagnie du coup de Banjovi. Banjo, comment Yo. Tu vas? Je vais bien et toi? Eh bah écoute, super. Alors, j'ai dû faire le setup son de Banjo un peu en urgence. S'il est trop fort, s'il est pas assez fort, n'hésitez pas à me le signaler. Je pourrais le mute tranquillement. Voilà, coucou Nelax. Du coup, t'auras pas eu les petites lectures des match-up que j'ai pu discuter avec les autres joueurs, vu que tu arrives. On a quand même du beau monde, du coup, sur cette R2, 18 membres, 18 participants. Salut Pings. C'est plus que d'habitude, ouais. L'argent en peine les gens. C'est ça. Et tu fais bien de le dire, parce que du coup, aujourd'hui, exceptionnellement, on a 100€ de cash prize proposé par Bidouf, notre bien-aimé Dofi et moi-même. Et on a quand même une très, très, très belle line-up, du coup. Comme on le disait déjà, il y a 18 participants, ce qui n'est pas vraiment courant. Mais on va voir Zonix et Shed qui vont représenter le top niveau français. Avec Nelax qui sort un peu de sa torpeur. On a Metaben, le gagnant un peu usuel des RDE quand il n'y a pas trop ce monde-là. On attend de voir sa perf quand même. Et mine de rien, pas mal le monde. Maxime, Corki qui sont là, Malias plutôt. Toi, Malias qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Malias qu'on n'avait pas beaucoup vu ces derniers temps, il me semble. Et du coup, on va pouvoir avoir notre temps, vu que là on est en décalé, on va pouvoir profiter un petit peu de ce qui s'est passé. Est-ce que toi, il y a un round 1 qui te tenterait? Et par round 1, je n'entends uniquement Mojito Legend contre Scanic, parce que les autres, Flashy et Aginis, n'ont pas mis les replays. Yes. Coucou Kyo, coucou Ikuro. Du coup, je vous propose de faire Bouah, vous êtes des méchants, ces méchants qui n'ont pas mis leur replay. Que sont Mojito et Scanix. Est-ce que toi, tu les as déjà affrontés par hasard? Non. J'ai déjà vu Scanix sur le Roi FR, mais Mojito, je crois que j'ai jamais vu. Ouais, j'ai jamais vu leur niveau. Eh ben écoute. Ce sera une découverte. C'est ça, bien évidemment, Plutonio le rappelle, on ne spoil surtout pas les résultats. Là, je fais juste mon petit setup, excusez-moi, c'est un peu le rush du coup. Hop. Alors, qui qu'on aura? On aura Scanic, que je n'écorche pas son prénom quand même. C'est Scanic, c'est ça. Scanic, du coup, c'est un joueur d'un personnage un peu particulier qu'on connaît pas très très bien ici. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de Claren. Claren? Je crois que ouais, j'ai joué quelques fois en France contre des Claren. C'est ça, c'est absolument pas le match-up, le personnage surreprésenté. Face à lui, on aura du coup Mojito Legend. En vrai. Qui joue Etalus, du coup, avec le pseudonyme. Etalus, ouais. Qui n'a pas beaucoup joué lui par contre. Mine de rien, ouais, assez peu. On va avoir Manchus et Follow qui vont le représenter. C'est tout. Ouais. Il y a Bleb qui vient de temps en temps. J'ai découvert récemment qu'il était français d'ailleurs. Au début, je pensais que c'était juste un européen. Il me semble qu'il est juste européen, Bleb. Sauf erreur de ma part, c'est un gars qui a 14-15 ans, qui vient pas vraiment de France, on va dire. Il est roumain, c'est ça. J'avais un doute, je savais qu'il était de l'Est, mais je savais plus exactement quoi. Du coup, je vous propose d'aller regarder ça, hein, Mojito Legend contre Scanic. Match-up tumultueux quand même pour Etalus, on va dire ça comme ça. Même si, le fer d'Etalus joue pas mal dans le match-up en Edgeguard. Je te propose de lancer tout de suite sur Aetherial Gate. Une map très basique, hein. Une map sympa, une map on va dire très sympa. Je pense que ça doit être la map la plus pique en général. Je suis assez d'accord. On commence tout de suite et ça prend cette distance. L'une des difficultés dans ce match-up pour Claren, c'est quand même d'aller chercher le kill dans le trail ou d'être dans une situation où son adversaire va être hors de stage. Et voilà. C'est ça. Ouh.
Ah oui, d'accord. Ça va tenter le spike. Déjà à 40% ça tente le spike. En fait, l'une des forces de Cleron dans ce match-up là, c'est quand même de réussir à choper le kill vite avec le donner. C'était le Don Smash. Le Don Smash qui a tout de suite pris une petite stock. Scanic qui accuse du coup d'un certain retard. Après, faut pas le sous-estimer. Faut pas sous-estimer la force que peut avoir Cleron dans ce match-up. Surtout que Scanic prend son temps et évite le Rexandre. Oula, les vieilles. Ça a été ça joue à la fois défensif, mais ça continue d'agresser dans le neutral et c'est assez pas mal ce qu'ils font les deux joueurs là. Les deux joueurs, ouais, s'en sortent plutôt pas mal, mine de rien. Les deux trouvent leur phase. Ils arrivent tous les deux à agresser dans le neutral sans overextendre leur combo ou aller trop loin. Exactement. Bon là, le smash était peut-être d'un peu trop, des bons mouvements quand même du côté de Scanic. Pour quelqu'un qu'on voit peu, il a les rudiments de son... Il a les rudiments du jeu et le FF Smash qui va trouver, mine de rien. Le smash qui trouve, malheureusement, oh, le on va faire attention. Scanic qui prend un peu ses âges, j'ai l'impression. Wack, Morito Legend qui en profite quand même pour tenter des approches. Après, il veut faire attention quand même. L'envie de tuer, ça peut... Non, ça tue pas. Non, pas encore. Va falloir trouver le tipper aux alentours de 120-130% quand même. Face à... Okay. Face à Etalus et ça... Ça fait toujours peur, hein, le bid de Claren. T'as toujours peur qu'il te tue et qu'il te gimpe à 10%. Alors, à noter, si c'est bien DI... Le Dacus, tu la colles. Il faut des Dacus des deux côtés. Exactement. Petite note, si jamais vous êtes dans cette situation où le up B arrive, SDI vers l'intérieur, vous voulez pas prendre le tipper. Donc out down ou in down, mais surtout pas out up. Parce que c'est meilleur moyen de se prendre le... Bah là justement ça commence à être très dangereux. Là un tipper sur le 7B va toucher. Le Dundee qui était très très bien trouvé, la petite phase. Là c'est Scanic qui arrive à revenir. C'était tendancieux cette était très très tendancieuse. Ah c'est fini. C'est fini. L'ouverture a été trouvée. Scanic qui va pouvoir caser son donner. Into. Tipper F Smash. Up Smash, c'était bien trouvé. Alors, on et va. Et ça joue bien, hein. Ça joue très très bien pour du tour 1 seed en bas parce qu'on ne les connaît pas. Un risque de comeback comme le Not Just Play du coup. On va partir sur l'une des maps que j'adore absolument, hein, Blazing Hideout. Ah ouais, t'aimes bien cette map? J'ai horreur de cette map. On va voir ce que ça donne. A priori, selon Zonix, c'est quand même l'une des meilleures maps de Cleron, notamment avec le tipper. Avec le tipper. On me dit que le titre du stream n'est pas bon. Ah. Je vérifie ça vite fait. Hop. J'ai pas l'impression. RD30. 4x4 et Banjo, c'est très bien. Par 4 Banjo. Non, c'est bon, c'est. C'est Ikuro qui troll. C'est pas grave, il y avait une mécompréhension. On va partir du coup sur Blazing Hideout, aka Play Drop City, exactement. Et là, donc, counter pick du coup assez intéressant de la part de Morito Legend. Ceci dit, c'est pas pour rien, c'est une très très belle map. C'est quand même une très belle map. C'est vrai que... Moi j'ai souvent entendu dire que c'est la pire map pour Etalus parce qu'il peut pas side B directement sur le sol à cause de la plateforme au-dessus. Voilà. Ouf, c'était très très bien trouvé. C'était très 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 bien trouvé. Mais au contraire, justement, moi j'avais entendu justement l'inverse. Après, je pense que la map est clivante pour les participants. Mais pour les Etalus, pardon. Mais ça va être une map intéressante justement parce qu'il y a toute cette plateforme qui va pouvoir être couverte. Et il y a quand même moyen avec le F-Tilt
de profiter de de glace sur l'étage du dessous. En fait, Alus, il est moins fort sur les plateformes, parce que sa dash attaque, elle est plus vulnérable quand il l'a fait sur une plateforme, mais ouais, pourquoi pas. Pour l'instant, ça a l'air de porter ses fruits, hein. Globalement, ça a l'air de porter ses fruits, hein. C'est exactement. Le 7B qui est un peu pouffé, le Dawn Smash va finir qui va prendre la stop du coup. Là, c'est un sacré avantage que Scania a pris. Que Mojito Legends. Ah, désolé les pseudos, j'ai encore un peu du mal, c'est le matin. Et ça cherche le fer qui va trouver. C'est. Comme on le disait, hein, comme tu le disais. Il y a un très très gros respect des options défensives et des potentiels combo breakers. Ceci dit, là, il n'y avait pas eu de respect. Le side B tipper qui a tué. Et un bon gros purple pour Etalus, malgré son poids. Non, ça, ça c'est dommage. C'est très très dommage. Il y avait une bonne idée des deux côtés, soit pour empêcher de revenir et pour remonter, sauf que il y a un missing input, ça arrive. Après, c'est surtout un edgeguard de qualité de la part de Mojito Legend et Scanic qui a soit peut-être miss input par Fear, mais qui a dû du coup jouer sur son wall jump et qui n'a pas pu revenir. On va directement passer du coup sur un match 3 en tour 1, sur les deux matchs de tour 1 de cette R2-30. On va lancer ça sur Rockwall. Pic intéressant, je sais pas toi si tu en penses quelque chose en particulier pour Eta ou pour... Je pense qu'elle est à l'avantage de Claren. Je pense aussi. Les piliers sont assez... peuvent être un peu gênants pour mettre... T'as lu s'il est content quand il survit à 200% et sur cette map c'est pas possible en fait. Il y a ça aussi. Les blast zones latérales qui sont extrêmement proches. Et encore une fois, des combos qui sont bien exécutés mais un bon respect, ça évite d'avoir l'overextend. Le neutral B qui était très 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 tendancieux. Ceci dit, il y a toujours un bel avantage pour Mojito Legend et il a bien raison d'en profiter sur un bon sur une belle reel, sur une bonne action. Ça peut prendre une stock extrêmement vite et le smash qui va prendre la stock justement. Avec seulement 38%, c'est vachement sympa. Et on avait beau dire que le kill pouvait arriver rapidement et desservir Etalus, mais là c'était plutôt à l'avantage du gros nounours. Et il a tué par le haut alors que le haut sur cette map est très... C'est difficile de tuer par le haut. Bah c'est difficile de tuer par le haut, mais d'un autre côté, il faut vraiment être lourd pour survivre à 90% plus face à un up smash d'Etalus. Chargé en plus, exactement. Ça cherche le kill là du côté de Scanny, il a du mal à trouver une ouverture pertinente. La tentative de upper qui était bien trouvée. Mais malheureusement, va falloir chercher à éjecter plus loin, va peut-être falloir chercher le fer offstage. La tentative de smash qui était très très bonne, mais malheureusement ça ne touchera pas. Scanny qui perd sa deuxième stock et encore une fois, Mojito Legend qui a 3 stocks encore. Mojito Legend qui vient de perdre sa première stock. Il invente des nouveaux combos. Ah bah. Les combos, tant qu'ils sont pas faits, c'est juste qu'ils ont pas été réussis. Le Dantil qui va toucher, mais encore une fois le 7B. Scanic qui doit peut-être paniquer un petit peu, qui a du mal à trouver ses ouvertures. Ouais, ça se sent qu'il est stressé. Hein. Après, là, il est potentiellement sur sa dernière stock de tournoi. Ouais. Ce smash qui fait du mal. Ça de winner, pas de tournoi. De winner, pardon. Très 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 belle phase. Encore belle et phase. Continue. Est-ce que ça cherche? Ah là, encore une dernière. Il est mort. Ça trouvera quand même. Potentiel comme Mac de Scanny quand même, qui devient un peu dangereux. Le smash qui était peut-être un peu mal timé, qui permet à Scanny quand même de dérouler à nouveau son jeu. Deuxième fer, le fer. Troisième fer. Et ça désengage, très très belle désengage, ça lui permet de continuer maintenant. C'est de nouveau even. Hein. Le pari qui était très bien trouvé, le 7B qui va être trouvé, là c'est plus qu'even. Ça commence à être très dangereux de part et d'autre, les deux sont vraiment à kill pourcent sur cette map. Le donner qui... Ça va être une ouverture cette fois. Oh là là, voilà. Half strong, c'est fini. C'était bien trouvé.
c'était très très bien trouvé. Victoire de Mojito Legend qui du coup s'impose après une première game qui était plus que tumultueuse. Bah c'était vachement intéressant comme match. Genre c'était deux joueurs avec un niveau je pense plus faible que la majorité des joueurs du tournoi mais qui étaient à peu près à niveau égal et j'ai trouvé ce match vachement intéressant. Bah totalement d'accord, c'est surtout des gens qu'on savait pas trop seeder et mettre à vie que c'est pas sûr que leur seed soit très respecté. Banjo, si à un moment tu souhaites lire le commentaire, et sache que Trini peut prendre la main parce que Trini est un beau gosse incommensurable, un peu comme toi. Oh. Alors, on va passer au tour 2. Et en tour 2, winner, on a pas mal de matchs possibles et pas mal de matchs finalement assez intéressants. Est-ce que toi, il y en aurait un qui te plairait en particulier? Moi, je t'avoue que tu aurais peut-être Plutonium Alias, peut-être Corki Maxime. Plutonium Alias. Mais Plutonium Alias, c'est des noms qu'on voit assez souvent, mais Malias, on le voit assez peu. J'avoue que ça me ferait plaisir de le voir, je sais pas ce que t'en penses. Bah, ça fait un moment qu'on les a pas vus les deux, donc ouais, moi, je suis chaud. Eh bah, écoute, c'est. Alors, c'est parti. Alors, on va vous choper ça, on va mettre ça à jour. Hop. Alors, Plutonio avec son Vrastor, que dire? Bah, l'un des meilleurs Vrastor français, hein? Avec Kourou, oui. C'est, voilà. Donc deuxième. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de Vrastor en France aussi. Bah, y en a comme pas les Etalus, il peut en avoir deux. De qualité, trois, que je se plaît. C'est vrai. C'est mine de rien. Reste pas mal quand même! Et du coup, Malias qui va sortir sa Maypool, autre personnage qu'on voit assez peu finalement. Lui, Bidouf et un peu Zonix. C'est ça, Zonix qui avait fait une très belle run d'ailleurs. Avec sa Maypool, on attend de voir au moins une qualité 4 fois supérieure chez notre Malias. On va commencer sur l'autre map qu'on voit à peu près tout le temps en premier pick, c'est Jules Vale. Mais écoutez, c'est parti. Et ça commence, le pari qui est trouvé tout de suite. Après, plutôt match, bien, gagner. C'est ces matchs avec un slipstream offensif. Ça peut surprendre. Quand on connaît, on se fait pas trop avoir. Souvent, en game 2, game 3, ça peut aussi faire piffer un pari à son adversaire. On va voir ce que ça donne. Ça risque d'être un match-up particulièrement explosif, étant donné le poids de part et d'autre des participants. Mais surtout, leur capacité à combo game et à tuer assez vite, mine de rien. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Oui, c'est deux bons joueurs de combo game. Genre, dès qu'il y en a un qui trouve une ouverture, en général, soit t'es mort, soit tu te retrouves au stage avec pas assez d'options. Pour le moment, ça se cherche, c'est le premier tour, après ça chauffe aussi. Ouais, c'est leur premier match, là, de la part de Malias, malheureusement, il n'arrivera pas à consolider. Plutonio, j'avais appelé Coyote, Plutonio qui arrive quand même à bien trouver sa DI. Et là... A l'inverse, c'est Malias qui DI extrêmement bien et Plutonio qui a du mal à installer son combo game. Mais cette recovery qui va se faire punir solidement. Très très bien trouvé de la part de Plutonio du coup. Plutonio qui lâche pas son adversaire dès qu'il le touche. Il met peu d'hitbox dans le neutral, mais dès qu'il touche une fois son adversaire, il en balance. Genre, il va te taper jusqu'à que tu meurs. Plutonio, c'est l'un des choses qu'on dit souvent sur lui, c'est qu'il a réussi à être très patient. A bien géré son neutral sans whiffer les hitbox. L'overextend qui n'est pas. Qui va trouver, mais qui ne va pas suffire. Ça va remonter. Le neutral bait qui est très très bien utilisé. Le clap encore une fois. Non, Malias qui va rester loin des blazones. Oh, qui ne touchera pas. Mais là, va falloir trouver un kill rapidement du côté Malias qui est déjà à kill pourcent. Oh, et le qui est déjà mort du coup. Il a raté sa tech chase, Plutonio il a fait ha paf abby. Bon, le kill est quand même trouvé, ça peut toujours se remonter sur une très très belle phase, mais va falloir être très très efficace et très prudent face à un Plutonio qui a eu une progression assez faramineuse ces derniers temps, il faut le rappeler quand même.
Elias qui drop beaucoup de combos là. Il y a beaucoup de coups qui commencent et qui l'abandonnent au final. Ça, c'est l'une des difficultés après de Maypool. Après, on le voyait pas depuis quelques temps. Si c'est une reprise, ça reste déjà pas mal. Le clap encore une fois, non. Ça a tenté le B. Incroyable. Anti-peur, ça aurait été incroyable. Ou les gardes, là, ça va être compliqué pour revenir. Ça ah, il meurt le pas. Smash. Ça ne mourra ceci dit pas, et je pense que c'était pas loin. C'est une très bien DI. Une très belle DI du coup de la part de Plutonio. Malias qui est vraiment dans le mal avec 90% déjà acquis sur sa dernière stock. Il est vraiment oh, le en danger. Est-ce que ça suffira? Ah, ça suffira mort. Plutonio qui prend cette première game. Écrasante. Très très belle game, très très belle game. On va voir ce que ça donne du coup sur Triple Pound, une map sur laquelle le jeu de plateforme et le jeu d'avantage risquent d'être extrêmement dangereux pour l'adversaire quand il est en phase de je me fais taper, je dois subir encore un peu plus. On va voir ce que ça donne, je sens que c'est une map qui risque d'être à double tranchant de part et d'autre. C'est un choix très étrange d'ailleurs. Après, le choix de Triple Pound est quand même sympa pour comment ça s'appelle, pour poser Lily tout simplement. Le fait que le ground à proprement parler est assez petit, ça oblige à beaucoup jouer avec les plateformes et Lily empêche de jouer littéralement avec une plateforme pour Plutonio. Bah après, c'est vrai sort, hein. Est-ce qu'il a vraiment besoin de plateforme? C'est pas faux. Ouh, la belle phase de Malias. Le nerf indifère qui va être trouvé et la première soc qui va être prise. Le fait que cette petite plateforme existe et permette facilement aller chercher des coups offstage va probablement aider Malias qui a quand même pas mal subi offstage du fait de la possibilité qu'a Vrastor de sauter, de revenir, d'avoir 4 sauts et de faire toute sa petite tambouille. Là, il peut aller plus facilement chercher... Il attend sur la plateforme, Malias, pas de Rofner. Mon dieu. Le clap. Mais à quoi ça sert de jouer le neutral? À quoi ça sert de faire des efforts quand tu peux juste clap? Il aime bien mettre ça. Il reste très patient tant que son personnage il est à bas pourcent, mais dès qu'il commence à être à haut pourcent, les claps dans le neutral y passent. Il y a une belle utilisation de Lydie, mais malheureusement elle se. L'essai n'est pas transformé, je dirais. Ça permet quand même d'extendre un petit peu, mais ça ne lui permet pas encore à Malias de mettre beaucoup de coups. Malias qui joue bien défensivement, qui attend son adversaire. Bah, il a pas trop le choix, mine de rien, car 40% face à un Vrastor aussi violent et aussi précis que celui de Plutonio, c'est déjà 10% en fait. Et là, la Gerd qui ne passe pas, ça commence à être dangereux. Et à 143%, ça commence à être embêtant. On est dans la range du pourcent où il faut trouver un kill move plus qu'un kill confirme en fait. Oh non, il a mis un F-tilt, c'est bon, il est pas mort. Il est pas mort, mais il faut avoir confiance que le prochain tuera. Surtout sur une DI hasardeuse face à la surprise. Et voilà. Et encore une fois, le clap qui va prendre la stock. Plutonio qui est impérial. 160%. Oh non! Non, Malias qui s'agirait de faire pour revenir, faut pas trop s'inquiéter. Le Bakar qui va trouver, est-ce que ça va pouvoir se confirmer? Le deuxième Bakar qui est trouvé, la graine qui va être plantée. Les Bakar c'est bien, mais ça tue pas, hein! 183% d'un Vrastor, upper, il tue d'un upper. Un up tilt se faire. Un up tilt! Un up tilt! Et le up tilt qui va être très bien trouvé du coup. 200% pour un Vrastor, c'est rare à voir aussi. Ah, plutôt ouais. Le clap qui va être très bien trouvé. C'est très bon combo. Malias qui arrive à revenir, qui arrive à sécurité sans landing, mais qui a du mal à s'installer dans le neutral. C'est Plutonio qui mène la danse avec son slipstream. Il peut bien gérer, il peut jouer patient. Et encore une fois, Plutonio qui est impérial sur ses claps. Hein. Il y a juste pas à tortiller. D'un mot que je ne vais pas prononcer en live sur cette chaîne. Il en a wave beaucoup, mais il s'est jamais fait punir pour ça, du coup il avait raison de continuer en fait. Il a joué plutôt prudemment, il avait bien raison. Est-ce qu'il y a un autre match du tour 2 qui t'intéresserait, mon cher Bon Jovier? Je vais regarder ça.
Deux Fibidouf, ça pourrait être intéressant, c'est deux joueurs qui sont à peu près au même niveau. J'ai toujours un peu du mal à battre en tournoi. Je suis assez d'accord, surtout que Bidouf, il commence à dompter sa bête. Bidouf qui commence à jouer au clavier à cause de ses mains. C'est ça. Dofi que j'ai pu affronter et qui m'a juste roulé dessus. Après, Dofi est un sacré personnage sur Eroa. C'est vraiment quelqu'un qui me terrifie. Alors, qu'allons-nous avoir de part et d'autre ? Est-ce qu'on va rester sur Bidouf et sa petite Maypool ? Bien évidemment que oui. Je pense que... J'ai jamais vu jouer autre chose, je crois. Même en Frenzy, j'ai jamais vu prendre un autre personnage. Eh ben écoute, écoute, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Bidouf, Dofi, tour de winner. On va partir du coup sur Tower of Heaven. On fait absolument tous les starters, c'est magnifique. Ça varie, hein. Et tout de suite, ça cherche l'agression, ça pose la plante de l'eau. Dofi qui agresse instantanément. Les deux qu'on a décidé de bourrer aujourd'hui. Ah bah, je pense qu'on est sur un match-up particulièrement explosif. Putain, ça va tellement vite, j'ai l'impression que le match est en accéléré. T'es sûr que tu as pas mis en accéléré? Je l'ai pas mis en accéléré. Ouh, quoi? Ah bah... Après le side vite directement la pari. Waouh, c'était frame perfect. Hein. Ah bah... On est sur un jeu technique et pas pour rien. Le wrap qui est trouvé... Malheureusement, ça ne sera pas franchement de la part de Bidouf. On est dans une situation très très dangereuse et le... Oh, le dance man. C'est traduit par du coup une première soc. Instantanément reprise de la part de Bidouf. Il n'y a pas de souci avec ça. Les paris qui volent absolument tout berzingue. C'est juste magnifique. Bidouf a vraiment dompté son clavier. C'est un plaisir de voir ça. De l'autre, Dofi... Joue son jeu agressif comme il en a l'habitude. Les dash attack qui trouvent le dash attack de Dofi qui ne passera pas. Et bah encore une fois, je pense qu'on va le voir souvent. L'avantage qui switch instantanément. Le landing qui est bien trouvé de la part de Dofi. Dofi qui a vraiment des bonnes DI. Hein. C'est très rare de le voir mourir sans un purple au préalable. Tu disais ? D'accord. Il a été surpris par le Dawn Strong. C'est l'une des difficultés quand on affronte un personnage aussi rapide que Maypool ou le Dawn Smash de Arcane, c'est qu'il va falloir réagir vraiment très vite sur ces idées. Voilà, on a parlé qui est trouvé. Et encore une fois, on est à qualité, hein. C'est extrêmement serré de la part. Oui. Entre les deux joueurs, c'est comme dirait l'ami Fabayou, pour le moment c'est la game des deux joueurs. Paris, même si c'était un jab sack, mange ma dash attack. Oh mais les bulles, Dofi qui dit tu n'avanceras pas. Mais j'ai vraiment l'impression de voir une bataille de deux bêtes déchaînées là. Ah bah... Clairement je m'attendais pas ça en premier. Oh là là, Don't kill to Don't Strong. Le kill qui est trouvé. Bidouf qui a DI hot pour... En s'entendant un autre coup qui s'est fait surprendre par un strong. C'est... Bah de l'autre côté ça va tellement vite, tu m'étonnes qu'il y a de la surprise parfois. Genre la DI, on a un niveau de vitesse où tu peux juste pas te permettre la moindre erreur. On va aller du coup sur Air Armada, sur le counterpick de Bidouf. Et allons voir ce que ça donne. Je sais qu'il aime bien cette map pour Lily sur les plateformes. Et oui, ça empêche certaines recovery d'Orphan. Bah, ça empêche... ouais, ça empêche quelques recovery, exactement. Lesquels exactement, c'est une autre question. Recovery un peu trop basse. On va dire ça comme ça, ouais. Et déjà, 80% d'écart. C'est assez intense, ouais. Dofi qui a vraiment mené la danse sur le counterpick. Qui va dans les keys, il n'a que 11%. Le Dead Smash qui était très très bien trouvé du coup de la part du joueur SOA. Voilà. Il enchaîne, il joue le partition, le Dofi.
Le combo qui est... Oh là là. Est-ce que ça va être un early... Un early deuxième kill? Ça a tenté, on le voit, on sait qu'il l'entraîne, le Bubble Butt Upper. Ça ne sera pas passé. Bidouf qui n'arrive pas là, à choper ça. La part est tendancieuse qui est punie. Je pense que cette map a été prise aussi pour que tous les dunks puissent tuer au final. Ah bah du coup ouais. Ça a beaucoup joué. Après Zofi est très très carré sur l'exécution de ses Orcane Up. Donc ça peut ne pas toujours tuer. 100% d'écart. C'est voilà, toujours 100% d'écart, le kill qui a été très bien trouvé de la part de Bidouf. Ça tu parles. Après clairement le prochain il va tuer. Oh. Et Dofi il adore faire ça, il te regarde dans le blanc des yeux. Tu paries parce que tu as peur du Orcane. Et boum, Stone Smash. Bidouf là qui a l'occasion de dérouler son jeu, la dash attack qui est trouvée, le taser. Ça connecte pas. La tentative de Reed. Bidouf de retard, c'est en mode. Ça y est, pour lui c'est son moment. Il a des avantages, il a une stock de moins, il y va. Le down tilt, down smash qui est trouvé. Ouh, le petit combo, jab down tilt, up B1. Très très bien trouvé de la part de Bidouf qui revient totalement dans la game avec cette phase d'avantage. Cette chaîne de pair up tilt, c'était magnifique. Le jab, le down smash qui va être trouvé, le side B. Calme-toi Bidouf, calme-toi, tout va bien se passer. Le back air qui est très très bien trouvé. Le pas de bulle, qui de rien. Trouvé. Dofi qui lui pouvait peut-être chercher. Dofi qui calme le jeu. Mais qui a laissé l'ouverture. Qui attend une erreur de son adversaire doucement. Et le nerf qui est trouvé. Lilith qui a réinitialisé. La graine qui est posée du coup grâce à Lilith. La chatte up song, c'est fini. C'est fini. L'up song qui est très très bien trouvé de la part d'un Bidouf qui a fait une game absolument monstrueuse. Sur un comeback de furieux. C'est deux fous furieux qui s'affrontent là. Dès qu'il y en a un qui prend un petit avantage, une stock de différence. C'était n'importe quoi. Honnêtement, des matchs comme ça, mais tous les jours j'en commente. Tous les jours. Bon, il me faudra juste une bouteille d'eau parce que j'ai perdu 4 litres de salive. On va partir. Du coup, c'est Rennes. Beaucoup de café. Je vais en avoir besoin. Mais voilà, quand Bidouf il est insane en termes de connaissances sur le jeu, c'est celui qui tryhard et qui ponce le jeu le plus en France, du moins parmi ceux qui le font le plus en ce moment, ça se voit et il mérite amplement d'être encensé sur ces phases-là. Voilà. Et Dofi qui lui est très, très carré sur son jeu, hein. C'est une des personnes qui... Elle doit faire une chose, elle le fait bien. Genre elle doit remonter, elle doit empêcher quelqu'un de remonter, dans tous les cas elle le fait très bien et elle a, c'est vraiment un joueur qui a aucun gros défaut visible en tout cas. C'est ça. On va finir sur ces deux joueurs très carrés pour citer Trinity Nitri. On va aller sur Blazing Hideout. Qui sera le mieux habitué à l'autre? On va voir ça tout de suite en tout cas. Les bubbles qui sont déjà posées, quelques pourcentages pris pour le joueur d'Orcane. Mais bah, on l'a vu du coup, hein, c'est vraiment pas significatif. Et ça cherche l'ouverture. Ils ont des vitesses de déplacement, ils ont optimisé leur personnage pour le moment. Un style quand même sympathique. Le pari qui est trouvé, là c'est la phase. C'est là, il pari de l'autre côté. Pari qui est trouvé. Oh non. Ouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Petite erreur. Bidouf qui s'est emmêlé les doigts. Du joueur Kenotor. Ou la parée qui était bien trouvée de la part, la parée qui est encore bien trouvée de la part de l'autre. Ça va de vrai. Mais c'est au moins la sixième parée depuis le début de la partie, il s'est passé moins d'une minute. C'est n'importe le quoi. Le fils qui se met offstage tout seul. Et la parée encore. La qualité des paris des joueurs est très très bien trouvée. Et Dofi qui va trouver le kill, qui va trouver le kill dessus, qui va trouver le père. Va falloir faire attention, ne pas se faire reverse trop vite. Non, la Moomin qui va dérouler un peu son jeu, dérouler ce combo game. 43% le damage output de Dofi est vraiment scandaleux. Oh la bonne, bonne punition de recovery. C'était incroyable. Il a attendu. Il a vu le faire, il l'a attendu juste devant le petit down tilt.
et la combo. C'est hallucinant à quel point il y a... Il y a du talent de part et d'autre. Je m'attendrais vraiment pas à avoir ce genre de qualité de match en... Enfin, en tour 2. Oui, après c'est leur premier match. Oh, mon dieu. Dofi qui trouve l'ouverture et qui pune instantanément son adversaire. Qui apprend du coup cette deuxième game. C'est fabuleux, c'est juste fabuleux. Deux socs de Dofi, mais j'ai quand même eu l'impression que la game était serrée tellement les deux joueurs ils sont ultra agressifs. Puis sur la moindre ouverture, ça fait des chocs à pic, hein. Ça fait des chocs à pic. J'irai vraiment pas autrement. On va passer du coup au Winners Round 3. Winners Round 3. Je propose encore de regarder deux games. Au moins une en tout cas. Moi j'irais bien du côté Corki Zonix pour commencer. Je sais pas ce que t'en penses. Pourquoi pas? Allons voir le leader de ce tournoi. Le seed 1, Zonix. Allons voir si le seed est respecté. Est-ce que tu es à l'aise à l'idée de t'auto-caster, Banjo? Alors, à ce qui paraît, il y a Trini qui vient pour caster mes propres matchs. Eh bah écoute, on fera ça alors, ce sera parfait. C'est une volonté du joueur qui vient de gagner ce match, dont on ne citera pas le nom. Non mais après c'est particulier de s'autocaster, hein. Je vais pas te mentir. C'est très probable, Moi je sais que j'en ai horreur, je sais que j'ai horreur de ça. Si c'est pour voir mes erreurs et pour m'énerver sur moi-même, ça ne sert à rien. C'est ça. Alors on va partir du coup sur Corki contre Zonix. On va commencer sur une... Hop, excusez-moi. On va commencer ça sur Merkenport qu'on n'avait pas encore vu. Eh ben écoutez, je vous propose de lancer ça tout de suite du coup. Encore Orkane. Alors un match-up particulier pour Orkane, hein, réputément l'un des plus durs. Même si j'ai toujours du mal dans ce match-up à titre personnel. Je sais que Zonix n'est pas du même avis. Corki qui est... qui est quand même quelqu'un qui perd pas mal, vu le peu de temps depuis lequel il est là. Ceci dit, face à Zonix, c'est compliqué. Zonix est vraiment trop chaud. Ils sont Zonix, les deux connus pour être... pour très bien se déplacer sur les plateformes, mais Zonix, il est juste un niveau au-dessus, en fait. Bah, en l'état, Zonix est le meilleur joueur français. Et il ne démérite pas. En tout cas, il fait partie du top 4 français. Bah, le classement reste à voir. En termes de résultats, pour le moment, il me semble que Zonix est encore au-dessus. Là, pour le moment, on est quand même, pour revenir un peu au match, dans une situation un peu compliquée de la part de Corki qui vient se prendre deux tipeurs et qui a échappé à la mort sur une très très bonne DI. Oh, le Dunstrom. Mal DI. Moi, en même temps, c'est très dur à DI, surtout selon s'il y a le tipeur ou pas, ça t'envoie d'un côté ou de l'autre et c'est très difficile de réagir. Le double grab. Là, l'objectif un peu de Corki dans ce match, c'est quand même d'aller choper au moins cette stock là, cette première stock pour essayer au moins entamer la deuxième. La zone qui est placée. Corkito qui... Connaissant Corki, il peut remonter ses games, hein. C'est juste que... Zonix va vraiment pas le laisser faire, mais Corki a assez d'agressivité pour remonter n'importe quel game. Oh là là. C'est magnifique. Oh là là. Oh, le grab tout faire. C'est incroyable. C'est... J'ai pas les mots. Ça va vite. Toi, en tant que joueur de Claren, tu vois comment Zonix? Comme un énorme frappadingue. Sous crack. En gros. Ah oui. C'est... En fait, il a une capacité de lecture de jeu pour reset en permanence ce qui se passe et extendre son avantage de une durée mais complètement folle. Et il en est terrifiant pour le comparer à d'autres personnes qui sont à son niveau au niveau européen. Donc par exemple Japal, ça va plutôt être
tu lui laisses la main, il va te manger le bras, mais sur beaucoup, beaucoup de resets et de réactions quand t'es offstage. C'est situation offstage, Japal est largement au-dessus de Zonix, il y a juste pas à chier. Sur le terrain, ça se discute énormément. Si Zonix, il a une agressivité, le plat de boost, il t'y connaît. Genre, t'as beau être à l'autre bout de la map, il vient chercher en moins d'une seconde et tu comprends pas ta vie. Si t'es pas habitué à ce genre de plat de boost avec l'arène, c'est impossible pour toi de faire quoi que ce soit, tu vas juste faire... l'ami. Il arrive à te punir à une vitesse un peu folle, on va pas se mentir. On va continuer, bonjour Zoft, j'espère que le cast va te plaire. On va continuer du coup avec le même match-up sur Tower of Heaven, un counter-pick sur lequel Corki aime bien emmener ses adversaires. Très étrange comme counter-pick, sachant que c'est une map de base qui n'a pas une grande particularité à part d'avoir trois plateformes. J'ai plusieurs fois entendu dire que c'était quand même une bonne map pour Arcane, notamment avec notamment grâce à Slayout. Une map assez cool, mine de rien. Elle est cool, mais assez surprenante. Genre, il y a plein de maps très bonnes pour Arcane aussi. Après, n'oublions pas que Zenix a 3 bans pour enlever les pires maps de Claren, les pires maps dans ce match-up là pour lui. A priori, oui, les meilleurs maps d'Orkane. Et c'est un très bon joueur d'Orkane à la base aussi. Je n'ai jamais vu l'Orkane de Zonix. Ah, ça fait quelque temps que tu n'es pas là. Mais en parlant de Zonix, le Dawn Smash, encore une fois, qui va choper la stock. Un coup vraiment particulier à DI, comme tu le disais. Le bi pour remonter de manière clean. La phase de Nyx qui est très très propre malheureusement. Corki qui arrivait à s'en dépatouiller un petit peu, il va retomber dedans. Zonix qui arrive à reset et qui arrive à reprendre l'avantage. Zonix arrive à rester en dessous de Corki, ce qui est pas une masse à faire, sachant que Corki se déplace vraiment bien sur les plateformes et rester en dessous de lui en général c'est vraiment une erreur. Et là Zonix il met des EPR sur les plateformes, il en profite. Bah l'une des grandes forces de Claren dans ce... de manière générale, voilà. Très très bien trouvé de la part de Corkito. Qui change de couleur son skin. Mais ouais, l'une des grandes forces de Claren, notamment sur cette map, c'est sa capacité à couvrir absolument toutes les plateformes avec un place boost. Faut prendre ça en compte quand on l'affronte. Et même en restant sur le sol, il arrive très bien à garder le contrôle. Upair, voilà. Up tilt upair. Dash attack, le Dawn Tilt qui va être trouvé, Dash attack encore une fois, le Donner, Tipper, Up Smash. Non, encore plutôt qui arrive à reset un petit peu. Ok. Non, le neutral qui dure 4 secondes et demie. Corkito qui il a fait un déplacement et s'est fait punir. C'est ça. Corkito qui se fait bien étouffer par l'agression un peu constante de Zonix. La petite Dash Dance. Et là, c'est Corkito cette fois qui va mener la danse, qui va mener la danse. Oh là là. Qu'il confirme le très très beau up smash qui va trouver la deuxième stop de Zonix. 100% après, de différence, mais c'est remontable. C'est remontable sur des très très belles phases. Eh oh non, c'est fini. C'est plus vraiment remontable. C'est plus remontable là. C'était un violent 2-0 quand même. Malgré une bonne phase sur la deuxième stop, ça suffit pas. C'est. Après. C'est pas pour rien que Zonix était seed 1 de ce tournoi. Pauvre Corkito, qui n'a rien demandé, qui s'est retrouvé contre le Zonix. Et du coup, Zoft, what's whale in French? Whales, it's baleine. baleine chien. Arcane est un baleine chien. C'est dit, c'est acté. Alors, on a fait Zonix Corki. Est-ce qu'on appellerait pas Trini, comme ça tu peux prendre une petite pause et on regarde Metaben contre toi, Banjo? Si vous voulez, oui. Est-ce que Trini est disponible? On va ça, le ping, on va voir s'il est là. On aurait dû faire ça pendant le match ou avant le match qu'on caste. Mais non, c'est très mal nous connaître. Trini, il a déjà répondu oui. Du coup, Banjo, oh là là. À
plus tard si tu souhaites revenir caster un peu plus tard. Moi, je suis chaud, hein, je reviens quand vous voulez. Hein. Bah écoute, au moindre souci, on te ping, y a pas de souci, merci à toi. Et du coup, je vous laisse accueillir un certain Trini sur le cast. Mon Trini, tu te rajoutes comme tu veux. Bisous les gens. Oui, allô. Oui. C'est moi. Salut mon Trini, merci à toi de venir co-caster ce tournoi avec moi, ça me fait très plaisir. Oh. Moi aussi, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as un Twitter éventuellement qu'on fasse tout bien comme il faut ? Non. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Bah, tu auras le hâte, pas de Twitter. Voilà. Hâte nos Twitter. Banjo Metaben. Banjo Metaben. Banjo Metaben. Donc, je pense plutôt qu'il va partir sur Krag. Faut juste que je chope les replays. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ce match-up, Krag Rano ? Est-ce que tu as une opinion sur le sujet ? Ouf, Krag Rano. Krag Rano. Rano, c'est... En fait, on va dire que s'il y a des plateformes, Rano, il aura moins de mal, je pense. Parce que... Mais c'est dans le cas dans beaucoup de match-up. Mais approcher Krag peut être très difficile, surtout que Banjo sait utiliser les outils de zoning de Krag. Mais je pense que Meta sera pas trop un problème pour lui parce qu'il connaît Banjo, mais Banjo connaît aussi Meta. Donc on va voir comment ça se passe. Eh ben écoute, je te propose de voir ça sur Ethereal Gate. Donc comme on le disait, Krag Meta Ben. Krag. Krag Rano. Krag Rano. Chut. Et bah, du coup, je commence tout de suite par une petite phase d'avantage de Metaben. Metaben qui a quand même en main. Metaben, bah, il a l'edgeguard, non ? Après, va falloir faire gaffe car les recoveries de Rano sont quand même assez linéaires, mine de rien. Et bah, Krag, c'est quand même pas mal pour punir les recoveries. Mais là où je pense que Metaben est très très bon, c'est au niveau du mouvement et au niveau de l'edge guard. Et les recoveries de Krag aussi sont assez assez prévisibles en fait au final. Et je pense que Meta aura pas trop de mal à capitaliser là-dessus. Surtout que bon, il aime bien aller choper le pilio backer. N'est-ce pas? Et Banjo, il aime bien le pilier près du stage, on va dire ça comme ça. Backer into wall jump, tout faire. Très très bel up smash qui va être trouvé, qui va rétablir, qui va rétablir l'équilibre des stocks. Ceci dit, avec 154%, c'est quand même un bel avantage qu'a Metaben. Ah, le backer up smash. Enfin, Dacus. Le tacos, comme on dit chez nous. Qui est très très bien trouvé. Et la petite phase d'avantage qui commence malheureusement de cette bille de Krag qui interrompt tout ça. Le neutral qui est un peu compliqué pour Banjo, mais Metaben qui joue bien avec la distance. En situation d'edge guard, Metaben subit quand même un jeu un peu brillant de Banjo V. C'était une bonne idée, je trouve, le Rock Spike. Mais Meta, il a bien réagi avec la tech. Banjo aime beaucoup Rock Spike et. Entre guillemets, c'est un kill facile sur une erreur de l'adversaire, autant en profiter. Ouais. Qui ne tente rien de rien. Bien, j'aurais pas pensé que ça serait passé. Il a les needles pour le faire. Ah. Le pari du pilier, ça c'est beau par contre. Metaben qui va chercher le kill, le needle into fair spike. C'était fair spike. Joué. Très bien joué. Un dacut. Ah, bon, petite erreur sur la vision, mais ne vous inquiétez pas. On lance tout de suite, du coup, la deuxième game. En fait, Meta a joué random Rano. C'est pour ça. C'est exactement ça, il n'y avait pas le bon skin. On va partir, du coup, sur Frozen Fortress. Une map assez intéressante pour Krag.
Ouais. Mais intéressante aussi pour Anno, encore une fois. Ouais, c'est pas le premier choix que je prendrais face à un Rano, en tout cas. Non, je pense que... Je sais pas trop pourquoi ce counterpick, mais très bien. Après, faut noter que Banjo avait réussi à choper pas mal de... Pas mal le fer, il veut peut-être potentiellement jouer sur les distances au blast zone latérale qui est pas énorme. En l'absence d'un terrain plus petit, ça se... Il y a match. Il a l'edge guard, il a la phase d'avantage. Et Metaben qui arrivera pas à concrétiser le reset. Oula, de nouveau une situation de vie en méta. Il a plus de dodge, il me semble qu'il a encore son saut. Ah non. Non, c'était fini. Ah, voilà. Très très belle gestion de l'offstage par Banjo qui va prendre la première soc là-dessus. Après, c'est pas terminé. Comme dit, Metaben n'est pas gratuit à affronter. Ah non. Et pour le moment, il a l'avantage, Banjo. Meta du coup qui joue un petit peu plus patient. Qui joue bien patient et qui va chercher le spike extrêmement bas. Il allait comme qui d'habitude. Joue patient mais qui a les cacahuètes. Il a les cacahuètes. C'est solide, c'est très 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 solide. Faut après noter que c'était un très très bon mix-up de la part de Metaben qui allait comme s'il allait pour backer le pilier et what? Ce ladder combo? Ce ladder combo d'une propreté intense. Ladder in Roa. What the fuck? Ladder of Even, c'est demain, n'oubliez pas. En tout cas, Banjo du coup. Ah, c'est ouais, pas voir très ça. Bien, j'allais dire qu'il a perdu la stock lead, mais que Meta est pas loin de perdre une stock. Et Meta, il m'a fait bah ouais, je perds une stock. Bah ouais, une stock, qu'est-ce que tu vas faire, commentateur? Ouais. Bon là, le commentateur il est en mode... En vrai là, c'est... Un petit c'est dommage, mon choix, il aurait pu faire chain. Il aurait pu. Le deck commence à être dangereux, les 100% qui sont dangereux aussi. Après 80% sur ces rangs-là, un fer ça peut partir très très vite à l'edge. Il va falloir être prudent de part et d'autre, mais il y en a un qui doit être plus que l'autre, on va dire. N'est-ce pas? Très très bon backer qui est très très bien trouvé. Peut mourir sur une mauvaise DI d'un backer. En fait, là on peut mourir de tous les deux côtés. Ah, et c'est le upper qui va prendre la game. Et c'est le upper, exactement. Meta qui avance. Mais du coup, c'est une victoire de Metaben. Je suis en train de chercher à rétablir. Hop. Alors, on peut faire ça aussi. On peut faire ça. Voilà, mais c'était quand même. Banjo qui dit à ce moment j'ai appris que ce n'était pas un BO5. Nickel. Ce sont des choses qui arrivent, Banjo. Ça arrive même au meilleur. Eh ben écoute, je te propose d'aller regarder ce qui se passe du coup au Winners Round 4. Donc. Vas-y. Je te propose de commencer par un Aelax contre Shade. Ah, mais la régalade. Et on finira sur Zonix et Metaben qu'on vient de regarder. Et maintenant qu'on est à ce niveau-là de qualité, on va pouvoir mettre les HD rendez. Oh là là. Non, c'est absolument pas. C'est absolument pas un ping de Dofi sur. L'espace des casseurs qui m'a souligné hey, vas-y, mets ça, ils sont plus beaux. Donc on dit des Nelax contre Shade. Hein. Il a pas tort. Et on est en loser, en winners tour 4, excusez-moi. Donc Shade contre Nelax. Un match-up top player. Qui va être pas mal car comme tu dis déjà de top player. Mais en plus de top player, c'est un match-up qui risque d'être un peu compliqué pour les raisons suivantes.
d'un côté, on va avoir quelqu'un qui, s'il se fait toucher par un upper, il va pleurer. En gros. Ouais, c'est Lyanna, quoi. C'est Lyanna. Enfin, c'est Lyanna qui opprime. Et de l'autre, on va avoir un Force One, a priori, qui va devoir plutôt être dans la temporisation, qui va devoir être très grounded. On va voir du coup ce que ça donne. Donc Shade contre Nelax, je te propose de lancer ça sans plus attendre. Allons-y. Et de lancer ça sur direct. Jules Vale. Ça nous manquait quand même des départs sur Jules Vale. Bah, alors, de la fumée et de la fumée. De la fumée et de la vapeur, attention. Pas pareil. Enfin, pour le jeu, c'est pas pareil. Exactement. Alors, ouf. Nate arrive à revenir sur le terrain. Nate qui arrive à revenir sur le terrain. Mais qui a quand même un petit retard au pourcent, on va dire. Ouais, Shade qui prend l'avantage. Bah, Shade qui va avoir une capacité pour occuper l'espace assez faramineuse. Là, Nelax, en gros, de ce qu'il m'a dit, il veut pas se prendre de combo. Il veut surtout pas se prendre de combo. Se prendre un missile, c'est pas grave s'il vide pas un combo, mais c'est vraiment l'incapacité qu'il aura de survivre au combo game de son adversaire qui va faire le match. Beaucoup d'agressions vont se faire au sol. Shade qui zone très bien et qui trouve le smash. Et il s'est pris 10% en 55 secondes. C'est n'importe quoi. Et ça se cherche. Le problème, c'est que là, la mine, elle est posée. Donc un missile peut entraîner un peu le drame, on va dire. Entraîner le drame, c'est une très bonne expression. Mais c'est dur pour Forceburn d'aller chercher des personnages qui zonent très bien. Parce que sa mobilité est pas non plus la meilleure. Là où il est très bon, c'est en plat boost qui lui donne énormément de speed et tilt boost, si je me trompe pas de nom. J'avoue que je connais pas assez Forceburn pour ces technicités là. De toute façon, Nelax me corrigera. Et là, Nelax a un gros retard sur Shade. N'est pas à l'abri d'un clutch. Ouais, voilà, Nelax il peut clutch. Hein. Surtout que là, la première stock de Shed va bientôt s'envoler normalement. Espérons-le quand même. Ouf. Nelax il cherche le kill. Le down smash va le faire. Du coup, la première stock de Shed qui s'est envolée. L'un des autres soucis aussi dans le match-up, c'est qu'il y a énormément d'outils de Shade qui vont niquer la fumée de Nelax. Ah ouais. Ça va être très dur de setup la fumée. Ça va être très très dur de setup la fumée. Après, on voit un Nelax qui joue vraiment énormément au sol, qui essaie de récupérer la fumée de son adversaire de beaucoup paris. Ouh, le smash 102%, ça commence, c'est très très compliqué. Le smash qui va toucher le clone, upper qui va toucher, le deuxième upper qui va toucher. Oula, oula. Ouh, la roll. Ah, c'est le upper qui prend. C'est le père qui finit la roll. Et Lyanna. Et Lyanna qui fait mal, ouais. Ouais. Enfin, Lyanna, okay. La meilleure Lyanna européenne qui fait mal. Car après ça, on rappelle, hein, Shade, c'est la meilleure Lyanna de France et d'Europe. Hein. Du coup. On a vraiment des PG en France. Allez, c'est parti. On va voir à quel point ces BG vont s'en sortir. Donc là, il aura un peu plus de plateforme pour se mouvoir. Après, ce qui est une bonne chose. Le jeu de plateforme face à Lyanna, ça risque quand même d'être compliqué. Le fait que l'avantage 7 soit extrêmement violent sur cette map, ceci dit, va peut-être lui permettre quand même de profiter des plateformes en étendant ses combos un peu à l'infini. Très vrai. Attention. Ouf. Cet avantage que Shade. C'est effroyable.
son avantage qui pourrait assez vite partir, il est quand même à 84%. Nai qui arrive à revenir grâce au clone. Au sacre saint clone. Là par contre, bah encore une fois on est dans cette situation un peu dangereuse où mis à part s'il y a un kill est chopé. Il y a la mine qui est posée, va falloir trouver peut-être un pari. Ouh, non, va falloir trouver la stock qui est trouvée sur un smash. Un purple de force burn, let's go. Non non c'est la fumée, t'as mal vu. Ah ouais. un purple de force burn, exactement. Et là c'est un peu compliqué, la fumée qui va toucher, qui prend l'espace. Nalex qui a du mal à s'imposer dans cette game, qui a vraiment du mal à s'imposer face à un Shed qui est rodé mine de rien. Et qui maintient son avantage au stock, le smash qui va être très très bien trouvé dans les airs. Oula. Pour prendre la game, la stock. La game. Ok. Et le smash, c'était très bien joué. Du coup c'est even pour la stock. Et du coup, Nelax, n'oublions pas qu'on a commencé les BO5. Attention. Et là, c'est le problème. Nelax qui a du mal à imposer vraiment beaucoup les pourcentages avec son Force Burn. Il y a quand même un petit avantage sur les petits damage qui sont. Et Shane qui le trale très patient. Il n'hésite pas à utiliser vraiment tous ses outils pour pousser Nelax à l'erreur. Et le punish pour ça. Ou le père. Ouh, le père très bien dead de la part de Nate. Qui est encore en vie. Le missile qui arrive sur la mine, j'y crois pas. Il est en surchauffe. Va falloir faire très attention. C'est ça. Le backer qui va ça être va. Trouvé. Non, ça va surchauffer. Garde la phase d'avantage. Ok. Ce sera plus dur de trouver le kill. Oula. Nate qui a un peu glissé. Là, les deux joueurs sont un kill person. Il va falloir faire très attention. Le up smash qui était pas loin. Nene qui est en situation de garde, va falloir revenir. Et là, ce qui revient, c'est la là, les deux joueurs cherchent le kill. Oh le up smash. Le up smash qui n'aurait pas. Qui aurait pas connect. Qui aurait pas connect. La présence d'esprit d'avoir. De n'avoir pas mis le deuxième coup et d'avoir mis le down smash. C'était très bien joué. C'était très impressionnant et très technique, très patient, beaucoup de neutral. Très bonne partie. Je recommande. 3 étoiles minimum sur TripAdvisor. Je vous propose de continuer sur Frozen Fortress. Airbnb. Pic, du coup de Shed, de Chush. De Chush, de sauce. Il me semble que cette map... Nelax, détrompe-moi si j'ai tort, mais c'est une très bonne map pour Force Burn. Ça. Donc, ce counter pick. Après, je sais pas si c'est une bonne map pour Yana, mais il me semble que c'est une bonne map pour Force Burn. Ouais, Nelax trouve qu'elle est bien, c'est ce qui me semblait. Ça m'étonne pas. Après, je sais que Shed l'apprécie pas mal aussi. Pas la première fois que je le vois emmener ses adversaires là-dessus. Le layout est assez intéressant, je pense, pour les Rico et éventuellement essayer de revenir avec le B d'Eliana et se poser sur une plateforme. Ou avoir le mix-up de ne pas... Le up smash top plateforme, ça ne pardonne pas. Mais du coup les deux joueurs aiment cette map dans le match-up, ce qui est cool, tout le monde s'amuse. Ouais, comme dit Nelax, hein, les deux apprécient le terrain. Mais revenons au match qui est en train de se jouer plutôt que sur leur opinion sur le terrain. Encore une fois, on est sur Nelax qui est très très grand deal, qui cherche une ouverture. Dès qu'il a l'ouverture, il tente le combo. Mais il cherche pas l'overextend. Mais Shed, lui, il s'en fout de l'overextend comme un gros fifou de la street. Kill combo. C'est très bien trouvé de la part de Shed. Petit avantage de la part de Nene. Mais on le voit, hein, ça va un peu rien dire en vrai, c'est plus à celui qui trouve la phase que celui qui a les pourcentages. C'est très vrai, c'est très vrai. Il y a beaucoup de neutral parce que justement le moment où un joueur trouve la bonne ouverture, ça fait mal. C'est ça.
Cette baie qui est gérée vraiment de manière fantastique par le genre de notre joueur d'Eliana. Archaï. Merci, je suis fatigué. Il y a pas drôle. Qui va trouver le FTX, le F-Smash, il va trouver... Ouh, le F-Smash. Mais là, c'est bien l'avantage. Top plateforme, encore une fois. Sur la même plateforme, le même F-Smash. Enfin, pas exactement le même, mais... C'est bien trouvé. Le F-Smash de Forceburn, qui est, je pense, celui qui tue le plus vite. Ouh, le B. Le met en situation d'edge guard. Tu le mettrais au-dessus d'un... Tu le mettrais encore au-dessus de Krag ou des Talus Non, de celui de je parle en termes de Force Burn Gaming. Ah, oui. C'est celui qui tue le plus vite. Effectivement. De ces effectivement. Trois. Parce que bon, après, voilà. Après, on va faire peur à un main Force Burn, mais coup qui connecte et coup qui sort vite. Hein. Ou le upper, le upper qui est. Le upper qui va être très très bien trouvé. À 157%, c'est très dur de le DI. Ça a pas purple, mais c'était très dur de le dire. La bonne la shade est un peu en retard. Faut avoir très attention. Un peu en retard, après faire attention. Hein. Comme on va le répéter 4 fois durant. Si shade trouve l'ouverture, c'est ciao. C'est ça. Ceci dit, là, c'est pas tant l'ouverture que juste un kill move dans le neutral du côté Ney. Un bon backer mal DI qui surprend un petit peu peut suffire. Ou le upsmash, qui trouvait. Et le clone qui fait bien le taf. Ouh, c'était une belle tech chase. Vraiment une très bonne idée de Nex. Là, la shade commence un peu à paniquer. Mais après, il reste Nelax frais. Panique aussi un petit peu, hein. On voit le down smash qui part un peu. Nelax veut vraiment trouver une kill. Ouh, et shade qui très bien trouvé. Les uppers. Et du coup, victoire de Shade. Donc 2-1 pour Shade. N'oublions pas que c'est BO5. Et n'oublions pas que c'est BO5. Et on retourne sur Frozen Fortress. Et on retourne sur Frozen Fortress. Donc nous faisons donc un match-up plutôt sympa pour les deux sur la... C'est une map. Oh, tout le monde s'amuse. Voilà. Non, Salty Run Back. Mais ouais, on rappelle hein, cette paire d'Eliana qui est terrifiant, peu importe le match-up, peu importe le MU, peu importe qui est en face, peu importe le terrain, c'est... Shade, je vois qu'avec la vapeur, il empêche Nelax d'aller sur certaines plateformes. Bien vu, effectivement. Sûrement pour l'empêcher de se déplacer, elle est vraiment de le garder sur le côté. Ouh, le backer qui est pris. Backer. Le stock relativement early par rapport aux autres stocks qu'on a vu des autres matchs. Il était à 90% il me semble. Et c'est ça, après c'est bien joué. Pas énorme sur les côtés, ça joue aussi. Et puis le backer de Forceburn, Maldiaï. Pardonne pas. Oh, très très beau DI de la part du up. Globalement Forceburn ça pardonne pas quand on se prend un coup. Ouh, le smash qui est trouvé. Ça aussi c'était mal vieille. La surchauffe surprise. C'est ça, ce n'est que partie remise après, hein. Les deux étaient... Les deux ont mal vieille, balle au centre. Et Shade qui après les paris met tout le temps la mine, parce que c'est la garantie ou presque d'un combo quand il va toucher en série. Et le... Strong, ok. J'aurais mis ma main coupée, ça aurait pas connecté. Heureusement que je l'ai pas fait. Bah ouais, parce que sinon t'aurais bien coupé. Mais là, par contre, on est quand même dans une situation où Shade profite vraiment de son personnage. Et ça se voit que c'est pas pour rien que c'est l'un des seuls joueurs notables en Europe sur Eliana. C'est la gestion des projectiles, de la surchauffe, des missiles. Et voilà, en fait, c'est Big Brain, hein, Eliana. Situation d'Ashguard pour Shade. Avec la surchauffe, Nake a réussi à revenir. Récupérer ses options, puis revenir. Le F-Smash, encore une fois. Un petit F-Smash pour vider la vapeur totalement. Les ressources qui reviennent, les missiles qui sont bien gérés. Beaucoup de Rocket Punch, plus que d'habitude.
On sent que ça veut chercher le kill éventuellement sur une mauvaise IA. Oula! Oula! Nelax qui était vraiment pas loin. Dommage. Ouh, le up smash. Bien DI de la part de Shade. Ok. Le père, ah, le père qui va trouver l'ouverture. Nelax qui potentiellement sur sa dernière stop de winner, mais après il a quand même 123% du coup d'avantage. Ah oui, là, sur un up smash ou un down smash mal DI, c'est ciao là. Là, il manque vraiment pas grand chose pour Nelax de prendre. Ouh, et voilà, le up smash. Même bien DI, ça commence à être très compliqué. Ah bah quand ça purple, souvent c'est compliqué. Nei qui du coup égalise 2-2. 2-2 et la dernière game qui se fera sur Merkenport. Parce que pourquoi pas. On est sur des matchs particulièrement longs, après ça se sent hein. En même temps je pense que aucun des deux joueurs ont envie de perdre pour des raisons évidentes. Et de partout, c'est un match-up qui joue assez lentement. Exactement, c'est ça, c'est que le neutral est effrayant contre ces deux joueurs parce que les combos, leurs combos sont dévastateurs. Forcément, le neutral est assez patient parce qu'ils veulent pousser à la faute et éviter d'en faire une eux-mêmes. C'est ça, mais là la faute a été commise par Nelax, il va perdre sa stock assez rapidement en 30 secondes à peine. Et après l'une des difficultés qu'a Nelax en plus, c'est que s'il est bien DI au niveau aérien, il aura rarement beaucoup de follow-up. Et ça sent avec un jeu aérien qui est un peu compliqué, surtout face à Eliana qui a une mobilité particulière, à la fois très lourde et très flotty, plus ses sauts du coup qui sont assez particuliers. Qui n'est même pas un saut. Et voilà. Et Nelax qui arrive à side B into wave land up smash pour trouver la stock. Il est un petit peu en retard niveau pourcent, mais comme dit, ça ne veut rien dire. Voilà. 50%. Je noterai quand même que Nelax arrive vraiment pas dans ce match-up à gérer, à avoir les trois stocks, les trois stacks de fumée. Je crois pas l'avoir vu l'utiliser, ne serait-ce qu'un seul. Il l'a fait la partie d'avant. Où le upper qui est bien DI, Nike garde sa stock pour le moment, on va pouvoir revenir sur le terrain d'abord. Très belle tech de la part de Nelax, le F1 Suicide qui ne met pas bien le force burn. L'attaque qui ne passera pas le racket punch, encore une fois le missile. Non, c'est bon, il arrive à revenir, il a récupéré ses ressources, il a un peu de fumée de son côté. Du moins, il est quand même à 160%. Ça va être très dur de rester en vie. 172. Shade sur vraiment un upper, un side B, un F-strong, ça peut partir. C'est ça. Très vite partir. Ah, la fumée qui est hyper désagréable à gérer. Très bien joué. Il a vraiment. Il a vraiment delay jusqu'au dernier moment. Ah, le jab qui a failli tuer. Menei qui a 200. Nelax il voulait pas. Ah voilà. Quand même. Mine into upper. C'est normal. Là Nelax qui attend un petit peu ses ressources. Nelax il se remet dans le bar. C'est parti. Dub sont qui est trouvé. Il a médité encore un petit peu. C'est compliqué d'extendre après. Le deuxième upstage qui ne touchera pas et le trash qui ne connectera pas en général. Donc là Nelax il va chercher le kill, je pense. Ah bah on le voit hein, il fait quasiment que des smash là. Que des caps, mais en même temps c'est dur parce que quand tu cherches trop le kill tu deviens prévisible. Ouais. Et du coup c'est à ce moment là que l'écart il peut vraiment se creuser. Oh Saibin, cap down smash, très bien joué. Il va falloir faire attention, est-ce que ça part? Non, ça ne part toujours. Nelax il est encore en route dans ce winner bracket. C'est compliqué. Qui a 100%, 100%. La chaîne de upper peut partir vraiment très vite. Après, tant que c'est son adversaire que tu, théoriquement, il peut pas trop se faire toucher par le upper. Oui, c'est très juste. Factuellement. En landing, je pense pas que ce soit très efficace. Ouais, attention, la situation d'Edgeguard. La mine qui est vraiment pas passée loin, le timing. Nate qui arrive à revenir. La Shade est dans une situation un peu délicate.
Bah là, maintenant, Shade est en danger. Il ne l'était pas avant, maintenant il l'est. Ouh, le smash. Le smash qui passe. La combi, ce qu'il a trouvé. Oh, plus qui va connecter. Into. Waouh. Nailax qui va prendre la game là-dessus. Ça c'est, ce qu'on appelle une hard read. Genre vraiment. Il a vraiment pas eu peur. Il y est allé, il a up smash. Let's go, genre vraiment. Le chat. Du coup, on va passer sur l'autre match. Tour 4. Bidouf, je te permets pas. Il a dit quoi, Bidouf? Je le banne. Il a dit que j'étais nul parce que j'ai pas Twitter. Écoute, tant pis. Franchement, Nelax bah là. Voilà. On dit pas qu'il est nul. On va le banne. Nelax, il a vraiment pas hésité à prendre la ride. Et c'était vraiment. Il fallait porter son courage parce qu'il était à kill percent aussi. Franchement, très bien joué, un set vraiment très close. Franchement, c'était vraiment du spectacle. C'était superbe, pour le dire poliment. C'était superbe, vraiment. Du coup, on va passer sur Metabenzonix. Ah, mais... Le match-up Ranocléan. Qui est un match-up que je connais déjà un peu plus que Force Burn... Et Yana, du coup. Disons qu'on l'a déjà vu ce match-up. Ouais, c'est vrai. C'est. Oui, on l'a déjà vu. Je crois. Peut-être pas aujourd'hui, mais ouais. Je sais pas, je me souviens plus. En tout cas, ce qu'il y a à dire sur ce match-up, c'est que. Enfin, en tout cas, sur ces deux joueurs, c'est que Zonix, très agressif, très carré sur les punishes. Et Meta, très carré sur ses déplacements, les edgeguards de Meta font très peur. Et on va voir comment ça va se faire. Et bah écoute... Première game sur Juzvel. C'est... voilà. Ouais, ça part. Ça part tout de suite et c'est... C'est Zonix qui subit l'agression du coup. Meta qui n'attend pas pour faire les combos. Hein. Il a pas la décence de proposer un verre avant de venir te combo. Ah bah Zonix il est brûlé des coffrages. Ah les deux hein. Les deux ils aiment l'agression là. Ça va être ça va être moins patient que le set d'avant, je pense. Là il y aura bien plus de coups dans le neutral. Plus de coups après les deux peuvent se le permettre entre guillemets avec certaines data. On voit que c'est plus compliqué, oui. Contrairement au match d'avant où c'était des phases d'une demi-heure et voilà, des phases d'une demi-heure et le neutral builder, là ça va être des phases plus petites mais un neutral moins. Zonix qui veut son side B dans Smash. Et du coup Zonix qui prend la première stock et qui creuse l'écart pour le moment. Plus que la première stock qui prend un bel avantage hein. Il arrive à revenir. Les combos de Zonix sont vraiment carrés. Après les combos de Meta sont pas. Très carrés aussi. Oui, et Meta ne se décourage pas. Ne panique pas pour le moment. Et le Dacus qui est pris. Qui est très très bien trouvé. Du coup, il y a juste un lead de 83% de la part de Zonix. La vie peut vite partir, mais Meta il peut vite rattraper aussi. Les deux côtés, il va falloir faire attention. Ça va chercher l'ouverture, le fer qui va être trouvé. Les bubbles qui extendent. Je trouve que c'est un match-up où dans... Des deux côtés, l'edge guard fait peur. Et le smash qui est trouvé. Et le smash pour Zonix. Bah, les deux ont un moyen de tuer vite avec leur... alors, respectivement, le fer chez Rano et le donner chez Claren. Et qui sont relativement, je dis bien relativement simples à placer les deux. Ça dépend qui a eu Bob, si Donnev, de Claire. Non, plus sérieusement, c'est effectivement des Edgeguards qui sont très très efficaces et qui font très très peur de part et d'autre.
Voilà, The Nyx, ils se font des coups qui... J'aurais pensé qu'ils ne les auraient pas pris. Ouh, Lidl Dacus, NDI questionnable, qui va faire que les deux sont dans un stock. Oh, la bulle qui a potentiellement sauvé Metaven d'une mauvaise DI. C'était Big Brain. Et pour le moment, c'est compliqué. Tac, avec 100%, c'est le kill. Et c'est le kill. Downer, smash, c'est le kill. Ouais. Ah, downer, kill percent. C'est ça. C'est un peu compliqué. Et c'est une victoire du coup pour Zonix. Zonix. The French Claren. On va. Donc. Enchaîné du coup sur Aetherial Gate et on va voir sur ce que ça donne. Sur les portes de l'éther, qui est une map que Meta apprécie beaucoup. Et en tout cas, il a l'air de bien l'apprécier. Counter pick beaucoup dessus. C'est une map assez simple, assez efficace sur laquelle il peut exprimer son jeu. Je sais qu'il a du mal avec le matchup Claren. Zonix qui est très très carré sur ses phases. Je sais qu'il a du mal avec le match-up contre Claren, mais je pense que ça reste un match-up sur lequel il y a moyen d'exprimer d'exprimer un peu des choses avec Rano. Ah bien sûr. Car ouf. Ok. Ouf. Le side. Ça fait toujours un petit coup, ça enlève le masque, y'a pas de soucis. Avec Zonix, il y a pas 4 purple, c'est pas Zonix. Mais après, Meta peut toujours revenir. Hein. Il y a une full stock de retard, mais on n'est pas à l'abri des double fer spike de Meta. Ah bah, totalement. Après, faut faire attention, ouh, il vient de se rappeler que la bulle ne peut pas aller dans la zone. Bah, écoute, tu sais quoi, je ne le savais pas. Le tech c'est... qui est trouvé. Après, je comprends, on n'a pas souvent l'occasion de jouer contre des Ranos. Encore un Dacus de la part de Meta, cette fois il ne connectera pas. Ça compte les Dacus dans le chat. Et l'appareil qui est trouvé, into Down Smash. Down Smash de Rano en pari punish qui fait vraiment très mal. Ouh, le up smash tipper. Le up smash qui fait très très mal. Full stock de retard. Alors, c'est assez terrible. Full stock, moins 37%. Moins 38. 46, 56, 60. Le t'as pas pris ton Xanax. La belle gestion des backers qui... Oh là là. C'est ce qu'on appelle. Metaven, le Rano le plus hype d'Europe. Oh là là. Fin de citation de Calamari. Ce up smash était vraiment bien trouvé. Upper 1 et tout up smash, c'était vraiment très très bien vu. Du coup, la game est plutôt even maintenant. Bah, plus qu'even, c'est Metaven qui mène la danse avec un petit avantage au pourcent. Après un énorme retard, il est complètement en train de clutcher la game. Il est en train de clutcher la game. Le up smash qui est trouvé, ça commence à clutcher. Le back air qui va être trouvé. Zonix n'a plus de ressources. Va falloir faire très attention. Oula, dommage. Ok, il a évité le down smash. Est-ce la méta est patient là. Le back air, il faut trouver le back air. Oh, le smash kill. Dommage. C'est pas un smash, c'est après un pour smash le moment, Metaben a que 30% même sur une belle phase de Zonix. T'as vraiment fait situation d'edge guard. Oui. Perdre cette avance. Ou down tilt. 50, ça commence à être tendancieux. 70%. Le tipper sur le smash qui est trouvé. Situation d'edge guard pour Zonix. C'est bon, Meta revient. Zonix est en edge guard. Et c'est le smash qui est trouvé. Le clutch. Je viens de regarder. Oh là là. Touffe. Dacus counter 6.5. 6.5. Et franchement, c'était superbe. Il est revenu. C'était une très belle partie. Alors, on va partir sur Spirit Tree. Les kills sont trouvés vraiment très tôt de la part des deux joueurs, c'est assez très appréciable à voir. On a eu la game du neutral, là on a la game du combo et de l'agressivité.
Ah, enfin, on a eu le set pardon du neutral avec Nailax et Shade. Et là on a une set où où taper. Où ça explose. C'est ça. Là, là ça fait bagarre. Là ça fait la bagarre. Donc en tout cas le troisième match sur Spirit Tree qui du coup c'est le counter pick de Zonix qui est Spirit Tree qui est réputé pour être une très bonne map pour Cléan. Après ça reste aussi une bonne map pour Rano, donc je sais pas si c'est le counter pick le plus pertinent. Après, après on n'a pas vu les bans. On n'a pas vu les bans effectivement. Ouh le backer upper qui a failli être trouvé de la part de Zonix. Très bonne DI de la part de Meta. Et pour le moment, c'est relativement even, très belle gestion de la plateforme par l'ami Meta. C'est très spaghetti là par contre. Oh là là, Meta qui met la pincée de sel et de spaghetti banal, on a une belle carbonara. Les neutrales. En vrai, trouver le up smash comme ça avec le upper 1 up smash avec Rano, je trouve ça. C'est beau, c'est beau. Ouh, ça c'est dommage par contre, la DI qui était peut-être un peu hasardeuse. Il y a toujours un petit avantage pour Metaben qui mène déjà la danse, mais qui mène aussi. avec tout le momentum qu'il a accumulé. Et peut-être aussi au niveau mental, Zonix a peut-être plus de mal. Ouais, on voit que Zonix a un peu. Le fair spike into up smash. Vraiment, le up smash de Rano, c'est son kill move quoi. Avec le back air, le fer, le down smash. Ça reste un perso avec très Rano. Bon, hein. Avec Rano. Attention, Zonix qui peut vite reprendre le stock et faire pour que cette game elle soit even. Parce que là, Meta a un lead, mais pas un si gros lead que ça. C'est ça, et là, il a perdu la langue, il a plus les ressources. Non, il arrive mal quand même à revenir. Le smash et la stock est prise. Et le masque est retiré du côté de Zonix, évidemment. Faut faire attention, Metaben. Il n'a jamais eu besoin de masque, lui, on va dire. Quoi que ça puisse vouloir dire. Quoi que ça veut dire. Et personne dit ça. Attention, Metaben. Non, ça va, tu esquiveras ce tipeur. Tu te relèveras. Le der aurait été effrayant. Ça n'aurait peut-être pas tué, mais ça aurait pu lead un deuxième der et à une situation très inconfortable, pour le dire ainsi. Ouh. Très léger avantage, attention. Mais là, ça commence à être compliqué. Ça arrive. Oula. Ou pas encore, non. Ouf. Ça, c'était très très c'était bien un trouvé. Très bon bait, très bon bait. Là, les deux joueurs peuvent trouver le kill sur vraiment pas grand-chose. Bah par exemple ça, oh non, il a raté le down smash Tibur. Ça laisse une chance à Meta. Encore une fois, il a raté le up smash. Gagné là-dessus, Metaben qui revient qui ne se laisse pas. Le back air. Non, il remonte pas. Il rate le fer. Mais il n'avait plus de ressources. Deuxième game, ça fait 2-1 pour Metaben. Ça fait 2-1 pour Metaben. L'avantage est tout trouvé. Moi, j'ai envie de dire au pétard. Voilà. Alors, on va continuer, on va aller sur... trompé de scène, excusez-moi. Salut, quel beau gosse. mais écoutez, c'est parti, on va aller sur Fire Capital B pour une petite game Zonix contre Metaben, du coup, encore une fois, le même match-up. On a l'habitude maintenant... Le match 4 de l'amour. Alors là, les stocks vont peut-être partir moins vite sur cette map. Elle est connue pour avoir des blast zones plutôt éloignées. Elle est très grande. On va voir comment ça se passe. Après, c'est toujours possible de trouver un killer lead avec leur spike respectif. Meta qui a déjà une très bonne lead. 4, t'es encore là? Ouais, je regarde. Je trouve le jeu de Zonix, c'est de Meta un peu différent. Je sais pas, ils ont peut-être fait une pause entre temps.
je sais pas, c'est peut-être la map aussi. C'est peut-être Paris ou Up Smash. Ça m'aurait étonné. Ça m'étonne un peu donné qu'il prend Fire Capital. En vrai, c'est pas une map que je piquerais avec Kaon en tout cas. Après, il fait ce qu'il veut, il est grand. Peut-être que c'est le un peu la peur de mourir early. Je sais pas. Peut-être. Ça c'est, en tout cas, moi je l'aurais pick dans cette optique là. Mais méta qui creuse l'écart. Hein, bientôt une full stock d'avantage. Ah, de le neutral bien smash qui ne passe pas. Évidemment. Et méta, oulala. Très bien DI de la part de Zonix. Sur une mauvaise DI, c'était la mort. Mmh. Et voilà. Zonix, il te fait avoir, je pense qu'il a perdu patience ou. Peut-être une baisse de mental, je ne sais pas. C'est ça. Dans tous les cas, Metaben qui, lui, de son côté, est irréprochable dans son combo game. Metaben qui profite de son momentum, hein. Il a bien raison. Alors là, ça va être très très dur de clutch pour Zozo. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Ceci dit, je maintiens que là, il nous propose... C'est pas du grand Zonix là. Ouais, là j'ai l'impression qu'il perd patience, il envoie beaucoup de kill moves. Il y a beaucoup de kill moves, il y a beaucoup de hitbox qui sont posés. Attention, c'est qui trouvera le kill? Bah là, ce serait quand même cool que Zonix trouve au moins un kill. Non, c'est un 3 stock de la part de Metaven sur la dernière game. Et Metaven qui prend le set. 3 à 1. Bah ok, pas de soucis. C'est trop bon en fait. Non mais pas juste de soucis. Ça. Ok. Non mais. Vous voulez que je vous dise quoi? Genre. Vous voulez que je vous dise quoi? Meta, fais-moi moi l'amour, dis donc. Moi aussi, je suis choqué. Non mais très bien. Du coup, Meta Shade, on va avancer un peu le loser bracket quand même avant de lancer la winners finale. Évidemment. Je vous proposerais bien du coup de regarder, de faire tout le top 8 à minima. Donc regardez Banjo, Corki, Dofi plutôt. Allez. Donc Banjo et Corki pour affronter Shade après cette défaite contre Nelax. Et Dofi Plutonio pour affronter Zonix. Après un solide 3 stocks quand même de Metaben. On va voir s'il arrivera à se ressaisir. Tu veux commencer par lequel, Banjo Corki ou Dofi Plutonio? Comme tu veux, moi je. Après Banjo, je suis venu commenter pour pouvoir commenter ces matchs, donc on peut faire du Banjo. Eh ben on va faire enfin, Banjo Corki. Bah on fera les deux de toute façon. On va partir du coup sur Corkito Banjo V. Hop. Donc, qui je pense, on va pouvoir assumer qui va jouer. T'inquiète pas, plus tôt on le verra aussi ce set. Ah oui, non, clairement, moi on m'a vendu du rêve avec le set par contre de Dodo et plutôt je veux le regarder. Du coup, on disait Corkito avec son Orcane. On est en Losers T4 et un Zvarsi. Hop, ah, je perds mes fichiers. Hop. Donc, c'est du. Krag Orcane. C'est du Krag Orcane. Simple, efficace, caillou contre flotte. Après, les deux joueurs savent bien utiliser leurs outils de zoning. On va voir qui c'est qui arrivera à capitaliser sur l'autre. Je viens de mettre un coup dans le micro parce qu'il y avait un moustique. Un plaisir. Mais c'est pas très gentil. Il est gentil ton micro, tu sais. Ouais. De part et d'autre, du coup, ça se cherche. Petit avantage pour Corki. Corki qui est un peu à la Dofi, un Orcane extrêmement rapide, extrêmement agressif. Sauf quand il campe de Downbeat, évidemment.
qui utilise beaucoup plus les boules, effectivement, mais qui sait se déplacer. C'est surtout ça que je c'était le point que je voulais souligner. En même temps, moi je tiens à préciser quelque chose pour les gens qui disent ouais, spam les bulles ou spam le... Oh, bien joué. Très bien joué. Trouvé. Spam les bulles, spam le Dombi. Si ça marche, pourquoi il le fait pas. Exactement. Oh là, ce F Smash Reverse. C'était très bien trouvé de la part d'un Banjo qui a fait sa belle phase. Qui a fait un F Smash Caillou. C'était parfait. Bah, ces petits déplacements de Corki qui font plaisir à voir là. Corki en face de lui. Et là depuis très peu de temps, mais très solide. Ah bah il a sacrément bien dosé le jeu. Le père qui a été très bien trouvé. Le smash qui va être trouvé. Ça profite de la bonne frame data d'une arcane un peu aux hormones. Oh là. Ça c'est dommage, ça c'est dommage. Très bien joué. C'était très bien trouvé de la part de Banjo. Ouais. C'est vraiment arrêté pile au bon moment. Corki il a un peu peur d'aller chercher Banjo en dehors du terrain, mais en même temps c'est très dur d'edgeguard avec Arcane. Et le kill est trouvé sur une pari. C'est carré. Donc là, Banjo qui est une full stock behind. Le petit pari qui fait toujours plaisir. Va falloir clutch. Après faut pas oublier que Crack peut vite prendre des stocks. Faut vraiment pas baisser sa garde contre Krag. Ok, pareil, F smash. Et on vient sans trop de problème. Là ça commence vraiment à être compliqué. Ah. Plus que compliqué du coup. Ça c'est ce qu'on appelle un fast fall dans le film. Cordialement. Bonjour, il a fait assez bon, hein. Je vais aller à la prochaine. Et du coup, Je vous propose d'aller sur Spirit Tree, counterpick de Banjovi. On commence tout de suite le caillou qui est trouvé, mais Corki qui lui va parler plus à coup de upper d'Ario et d'un bon petit 62% dans ta face. Je sais pas si Banjo face beaucoup Krag ou a beaucoup face Corki, en tout cas je le sens pas à l'aise. Alors une stock qui est trouvée hyper vite de la part de Corki. Bah Banjo profite quand même de la peur qu'inspire Krag et de face très carré à l'edgeguard, mais faut-il encore trouver l'ouverture dans le neutral. Et mine de rien on voit régulièrement Corki profiter de la frame data, profiter de cet avantage qu'a Orkin dans ce matchup. Même si ça reste un peu compliqué pour Arcane de mémoire. C'est et voilà, dès qu'il a l'ouverture, la moindre ouverture est pas gérée de la même manière, on va dire. Les conséquences sont pas les mêmes selon qui tape. On va dire ça comme ça. 73-80% qui sont trouvés. Le nerf qui punit le pilier. Oh non. Oula. Oh. Banjo, c'est ce smash qui passe. On sait pas trop comment il est passé, mais il passe. Ah. Et voilà. Enfin, et ça parie les bubbles. Le F smash qui est trouvé. Corki qui perd sa première. Ah, on remarquera. Corki était plus en pari stun quand il prit le F smash. C'était passé pas loin d'une farine tout kill Banjo. Hein. Bah, malgré ce bon move quand même de la part de Banjovi et cette. Cette reprise, on va dire, du match, il a quand même son 46% dans une map particulièrement petite. C'est le problème, il peut mourir très vite. Après, à l'inverse, sur cette phase à l'inverse aussi, il peut complètement retourner la situation. Ça, c'est indécent. Ça, je suis désolé, c'est indécent. Ah, mais le nerf de Krag. Le nerf de Krag est vraiment indécent. C'est un shine. Mesdames et messieurs, c'est un shine. C'est bon, c'est dit. On rappelle d'ailleurs que Krag peut axmo son side B. Ouh. Excusez-moi, ça n'avait rien à voir. Le smash qui le bien joué de la part de Corki. Et encore relativement une fois, even.
Encore une fois, par contre, il y a une ouverture que Corki a régulièrement sur le up B de son adversaire. Et il en profite énormément. Il va falloir peut-être être plus prudent sur les matchs suivants. C'est très vrai. Corki qui est quand même un peu mal en point. Et voilà, sur et le fer. Plus que mal en point du coup. Hein. Pas très bien, D.I. Ça part. Ça y est, Banjo qui prend la stock. Banjo qui prend la stock. La game. Mais pas encore le set. On va voir ce que ça va se passer sur Fire Capital. Une map sur laquelle Banjo va peut-être pouvoir plus respirer par rapport au game précédent sur lequel il était un peu étouffé par Corki. Mais à l'inverse, c'est une map sur laquelle Corki va pouvoir vraiment profiter d'un grand espace aussi pour survivre tout simplement. Car il y a eu quand même quelques clics qui étaient trouvés. Et effectivement, se déplacer. On y va tout de suite. Banjo qui vraiment il aime son caillou, c'est un peu comme son compagnon cube de Portal. Ne part pas sans son caillou. Alors pour le moment, Banjo. Petite domination Banjo-esque. Hein. Banjo là qui pour le moment laisse pas tant de corps qui trouvait aucune ouverture. La gestion des pics par contre sur cette map est vraiment terrifiante. Le fait que les pics descendent en bas, même quand on a l'habitude, et surtout si Victor Key est, je vais pas dire jeune, mais jeune dans la communauté, c'est peut-être un truc qui peut encore troubler. Oui. Surtout sur cette map, ça peut se glisser entre les... Se glisser entre les plateformes, ouais, c'est un truc, moi, ça me fera toujours bizarre. En tout cas, Corki qui a réussi à survivre à 187 encore et qui a quand même eu 95%. Ah, voilà. Ouais, ça commence à être... La malédiction du commentateur. Ça commence à être tendancieux quand même, les pourcentages de Corki. 180 contre Krag, c'est un peu... C'est étonnant. Banjo qui se met à faire du beatbox. Krag. Après, version Krag. Il peut faire du... Krag, il peut faire du... il peut faire du beatbox, hein. Crac. Oh là là, cette barre qui pardonne pas. La Corki est quand même dans une sale affaire. Même s'il est toujours capable de remonter avec le damage output et les kills confirmed. Et juste les kinou en fait que peut trouver Orken, comme on vient de le voir avec Zone Smash. Ça mais il a quand même une full stock de retard. Mais je pense que c'est très dur de clutch contre Krag en fait, parce que c'est un personnage qui met du temps à être mis hors du terrain et tout ça. C'est ça. Et qui peut vite trouver le kill, donc c'est effrayant de devoir clutch. Orkane n'a pas énormément d'options, je pense, pour vraiment faire des gros gimps, à part les gimps évidents où il y a un gros pilier qui se dresse. C'est un peu compliqué, je pense. Oui, c'est vrai que... Genre c'est... avec un Vitalus, ça pourrait se faire beaucoup plus facilement. Il n'y a pas de double d'air ou de choses comme ça, mais ceci dit, il prend la stock, mais il est quand même à 123%. 123%, ça fait quand même beaucoup. Le fer qui est trouvé. Et okay, le fer qui va prendre la stock, 150%, c'était un peu trop. Il a bien réagi, Banjo. Corki qui a décidé d'up B. Alors, je vais me faire un petit plaisir. Tempest Peak. Il faut savoir que Orkane a moyen de juste camper les deux plateformes si elle a bien placé sa puddle. Mais... Ah, il y a quand même des moyens d'être agressif là-dessus. On va voir comment ça va se passer du coup dans ce match-up Corkito Banjo V. Non, c'est pas Banjo qui a pick Tempest Fix, c'est bien Corki. Non, oui, c'est un pick d'Orkane. Après, globalement, je pense que c'est une meilleure map pour Orkane que pour Krag. Krag, il profite pas tant que ça, je trouve, de la grande horizontalité de cette map.
C'était moi du coup, Just Planet, t'en fais pas. J'ai vérifié après, je savais que ça peut troubler, mais c'était moi. Perdre. Enfin. Être Edgeguard qu'on craque sur cette map, c'est aussi. Ça peut aussi être effrayant. Ah ouais. On peut venir te chercher très loin avec le fer. Alors je sais pas si c'était pensé, mais en tout cas si c'était volontaire, c'était très très bien géré le fait d'aller chercher son. Son stun. Son pilier pour éviter son le smash. Son stun sur le. Sur le pari- sur le pilier. Je pense que c'était intentionnel. Ça m'étonnerait pas de bon jeu en tout cas. Ah. on voit du neutral. Après, en tout cas, les deux joueurs... la défense de Corki, c'est exactement ce qu'il doit faire. Il a aucune raison d'avancer. Et il a l'avantage, il a l'avantage au pourcentage. Si son adversaire ne commit jamais, bah, il a gagné. Là, c'est plus compliqué maintenant. Le up smash qui est trouvé. Mais Banjo qui est à 190%, hein, c'est... ça peut vite partir. Par exemple, comme ça. Disais-tu. Barry stun into jab, hein. On le connaît. Belle utilisation quand même du caillou pour faire monter les pourcents en tout cas. Non, Corki, oh non, pas comme ça. Corki, pas comme ça, pas après tout ce que tu as fait. Ah, alors, je voulais changer de couleur. Accepte le manque de respect. Il faut l'accepter, le manque de respect. Mais non, mais il avait besoin de sa couleur pour essayer de clutch. C'est ça. C'est pour ça. Mais faut pas taper quelqu'un qui saute après un SD. C'est vrai. C'est zéro. Corki format de vraiment bien de la plan, vitesse de son personnage. Mais malheureusement face à un Krag, c'est l'un des persos les plus chiants à remonter quand même. Encore une fois, un clutch contre Krag, c'est vraiment dur. Mais il se débine pas, j'ai pas l'impression qu'il panique tant que ça. Globalement je trouve que Corki a vraiment un très très bon mental. Hein. Bon, ça on sait jamais, mais bah, un minima. Attention. Et ça, le kill est trouvé de la part de Banjo. Ça c'est dommage. Mais très très bien trouvé, hein. C'était un air back air into up air, c'était très très cool. Ça dab dans le chat. Ça dab dans le chat. Mais surtout, ce qu'on va avoir maintenant, c'est Nailax versus Shen. Non, ça on l'a déjà fait. On se la refait, allez. Et il était sympa, on va se la refaire une fois. Que je retrouve. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes. Dans mes dossiers. C'est bon. Donc, Dofi Plutonio, Orkane contre Vrasor. Match qu'on a déjà. Matchup qu'on a déjà vu, non, du coup. Je sais plus. On n'a pas eu Corki contre. Non, c'était Malyaz Plutonio, donc c'était Maple. Ah, voilà. Non, mauvais, Dofi comme on dit. Dofi Plutôt. Hop, donc Dofi Plutôt. Edouaf. Après ce match-là, on ira faire une petite pause. Et c'est a priori Dofi et Trini qui continueront le cast. On est là. Ils sont là. Zbr, zbr, zbr. Alors, on va avoir d'un côté For Just Play avec la bonne couleur de la... comment ça s'appelle ? De l'écharpe. En face, on a un Moomin qui est là pour récupérer l'argent qu'il a mis dans ce tournoi. Retour sur investissement. C'est parti. C'est parti. Ça part de là. Et le slipstick qui va être posé instantanément et ça commence directement à jouer. Le deuxième fer qui ne passera pas mais qui va permettre à Just Play de... Ah, Just Play. Non, à Fort Just Play du coup, à Plutonio, de maintenir un peu son avantage. Et la pari qui est trouvée malheureusement qui n'est pas très rentabilisée. Non, il n'a pas trouvé de bon pari punish. Mais là, il trouve des bons combos. Pour le moment, c'est relativement even. Et voilà. Ça ne l'est plus.
plutôt qui prend l'avantage sur un upper up smash. Moi, je dis... Oh, le bubble bot. Ça revient dans moins de 20 secondes. Moi, je ah ouais, non... Dopi, il fait le comeback. Dans 20 secondes, il y a la sub qui part. Ça part vite dans ce match-up. Hein. C'est... En fait, dès qu'il y a Vrastor dans le match, à moins que ce soit Krag en face ou Etalus, ça, les stocks partent vite. Hein. Et d'ailleurs, je suis un peu trop. Ok, ça faisait 20 secondes. Ça faisait 20 secondes tout pile. c'est. Je crois que d'accord. C'est le père qui a Spike du coup. Oui, c'est ça. Bah ok, très bien. Mais pour le moment, ils ont toujours un avantage. Qui est encore en retard. Oula. Le c'est clap ça, qui a fait. Olé. Oh le bubble butt. Il a plus beaucoup de vie. Ça aurait été dangereux. Malheureusement, le pari est trouvé. Le up B est trouvé en face. Up B sur le spot pour avoir le finish. Oh là là, Rid la roll. C'est even. Dofi, il a pas peur de faire des rides. Dofi, je l'aime. Dofi a vraiment pas peur de faire des rides. C'est un taré. C'est un crackhead. Ah mais là, c'est vraiment que des sets kraken. Hein, c'est Dofi est l'un des joueurs français que j'apprécie le plus regarder. Même si j'ai vraiment du mal à affronter Orkane, même si ça me terrifie de l'affronter, c'est globalement le mec qui me fait le plus marrer à regarder jouer. C'est... Attention, hein. Plutôt là, il cherche le kill combo. Après, les deux le cherchent en soi. Ouais. S'il y a un peu trop de bubules à un moment, le upper, on sait qu'il va partir très très vite. Le bubble butt upper, on sait que Dofi a bien travaillé. Ah mais là, il y a même pas besoin. Hein. Oh, le clap. Et le clap est pris. Et le clap sur est ce... pris. Bonne vie sur le clap. On va enchaîner sur un petit counter pick des familles Blazing Hideout. Et crouch into naughty eye. Presque tipper, ça compte. J'ai cru jouer crouch cancel. Alors oui, mais pas sur ce jeu. Pas sur ce jeu. Alors le crouch cancel, blablabla, Fire Ashi, crouch cancel, les trucs que personne. Ouais, c'est ouais crouch cancel, mais voilà. Hein. Alors, tu as exprimé zéro idée dans cette phrase. Blazing Hideout, c'est parti. Donc, Dofi qui counterpick sur Blazing Hideout. On l'avait vu avec Orkito que c'était vraiment une map sur laquelle il y avait moyen de faire des choses très sympathiques avec Orkane. Oui, c'est vrai. Il a une très bonne mobilité horizontale, Orkane, mine de rien. Avec le bubble butt. Avec le bubble butt, le side B. Et avec son sa friction aérienne qui est la meilleure du jeu. Ah, on en apprend tous les jours. Il me semble que c'est bien la meilleure du jeu, par contre. Tu mets un doute du coup. Mais peut-être pour l'instant. Je sais qu'il y a une super. Je sais qu'il y a une super friction aérienne. Bon, le chat. Ouh, ce pari qui faisait du bien là. Pari up B et voilà, c'est bubble butt upper. Bubble butt upper. tu me fais douter, hâte. le woo combo. Bon, pour le moment, la game relativement even. Plutôt petit un peu en retard sur le coup. Pour Dofi, mais avantage 7 pour Plutonio. Ouais. Et du coup, juste et là, il n'y a plus la puddle sur le terrain. Mais il arrive à revenir. Bien vu de la part de Dofi. Il arrive à revenir malgré tout. Moi, j'étais pas serein pour l'ami Dofi. Oui, c'est vrai. Quand il fait parce ça, Dofi, quand... c'est insupportable de se le manger. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir à voir. Il te regarde et il va juste attendre une dizaine de frames. Juste mettre le smash. Et le smash, il l'a remis voilà. Juste derrière. Le effect est là. Et ouais, on est. J'adore, on est dans la meilleure timeline. Vraiment. Ça, c'est. Ces déplacements, ça fait plaisir.
Dophy et les rites de l'enfer, exactement. Dophy n'a pas peur de rites non plus. Ouh, belle roll qui évite le clap. Belle utilisation du double pour extendre le combo. Ceci dit, ça ne transformera pas l'essai. Mais on est vraiment pas loin. À 54% avec le poids de Vrastor et la capacité de tuer vite Arcane, ça peut faire mal. Là par contre. Paris Upbi, hein. Toujours. Ça marche toujours. Ah. Ça se regarde dans les yeux. Et ça passe. Et là, le kill qui est trouvé. Ça passe, le kill qui est trouvé. Dophy qui rétablit l'équilibre au nombre de games. 1-1. On passe à 1-1 et du coup, bah, c'est parti pour le BO3. Hein. C'est parti. Et troisième match qui va pourquoi t'as dit BO3 en fait? Ah oui, bah, y a 1, il y a Reset, tout ça. On va partir sur Treetop Lodge. Treetop Lodge, là où l'avantage 7 et l'Edge Guard va être primordial, ainsi que les kills vers le haut. C'est une map qui a l'air d'être appréciée par Pluto. Je sais pas trop en quoi en penser pour Arcane, mais pour Plutonio, ça m'étonne vraiment pas. Le fait de pouvoir tuer vers le haut, le fait de pouvoir edgeguard à l'infini, c'est vraiment quelque chose qu'on peut rechercher avec Vrastor. Ouais, c'est très vrai. Attention, là, il a pas la puddle sur le stage. Ah, dommage, le downer qui l'a fait revenir, reprendre les ressources. Donc là, c'est assez even. Plutôt, il a un peu du mal à revenir. Il va falloir faire très attention. Il a du mal, les pourcents qui ont grimpé est suffisamment. Et le up smash. Punir le landing. Bah, le landing lag du neutral B de Vrastor est quand même assez long. Ouais, faut vraiment pas le négliger. T'as le temps de venir le punir. Même si c'était un très bon mix-up de recovery. Mais du coup, Dophy qui a l'avantage pour le moment. Ouh, belle tech. Très belle utilisation du bubble, le donner qui va passer. Non, just Plutonio qui va réussir à revenir. Je vous embête. Et voilà. Paris, une tour reverse B qui fait plaisir. La stock qui revient à l'équilibre. Just Plutonio. On a Pluto qui aime vraiment ce punish up. Il a bien raison parce que ça tue. Simplement. Bah. Un up B de Mars avec un gros tipper, hein, ça fait mal. Exactement. Et là, ça, là, c'est spaghetti, ça se cherche un petit peu, mais c'est un peu compliqué de part et d'autre. Et ça se comprend car sur une fin de stock. Oh, pas comme ça, Plutonio. Pas comme Pluto ça. Qui a donné sa stock à la charité. Merci à lui. Aïe, coup dur pour Plutonio. Mais pourtant l'écart n'est pas l'écart non plus, n'est pas Ah, ça peut se remonter quoi, hein. En fait. Ah oui, clairement. Après faut quand même être dans la timeline où le scénario se produit. Pour le moment c'est un peu compliqué, le B qui était un peu piffé. Dophy qui attendait la roll. Ah, et le clap. Et le clap qui va être trouvé exactement. Avec un certain équilibre, avec quand même un bel avantage pour Dophy. Mais il faut quand même faire attention sur cette map en particulier, ça peut être extrêmement rapide. Plutonio, c'est le Treetop Gang. Bon. Non. Oh là là, et le Down Smash. Très dur à dire ce Down Smash. Et c'est ciao pour Pluto. Du coup, la troisième game revient à Dophy. Du coup, l'avantage pour Dophy. On part sur la quatrième. On va aller sur Spirit Tree qui est une mine de rien bonne map pour Plutonio, bonne map pour Vrastor. J'ai pêché un gros poisson. La baleine chien. On s'en souvient. Le pari qui est trouvé instantanément, mais malheureusement, il a glissé, chef. Il a glissé, mais mine de rien, il arrive à bien poser son rythme, il arrive à bien poser son combo game. Plutonio qui fait monter les pourcentages de son adversaire de la bonne manière. Et on connaît Vrastor, il n'a pas besoin tant que ça de faire monter les pourcentages. 70%, ouais, il peut tuer très très vite. Un clap et c'est fini. Hein. Sur un kill combo, ça va vite. Un clap et c'était pas bien fini. Bien dit. Il a Nado. Oh là là, ce neutral B. Ce neutral B qui catch le bubble butt de Dophy. C'était très très bien joué, belle anticipation de la part de Pluto. Le Chad. Genre là.
Du coup, très, plutôt qui est en avantage. Ah bah plus que ça, il a l'avantage, il n'est qu'à 66%. Même si ça peut partir vite, s'il arrive à jouer bien prudemment, à bien gérer ses DI, il meurt pas trop vite. Par quelques pourcents. Maintenant à 83, voilà. Ah, là Dofi cherche le kill, hein. Il a bien raison, parce que là, faut falloir vite prendre la stock s'il veut pas non plus creuser l'écart de trop. Mais là, plutôt lui, n'attend pas Dofi, il continue de creuser l'écart. Ouh, la le bonne smash qui est trouvé, DI, mais qui est très très bien trouvé. Très bonne DI. Très très bonne DI. Oh, et Dofi avec le miss qui. Oh non, ça c'est moins de Chad, je suis un peu triste. Et Dofi qui maintient l'agression, qui peut toujours remonter. Ouais, là, et déjà, qui prend la stock. Il y a la première stock qui est partie. Il en reste entre guillemets que deux. On peut tenter. En termes de S10, c'est even. C'est la game est pour le moment très très even du coup. Ah, la Dofi va vraiment falloir pas perdre le neutral pour revenir, mais plutôt là. Et après, qui prend l'avantage. Ah bah ouais, l'avantage de Pluto en plus, il est bien violent comme il faut. Hein. C'est autant c'est un personnage sur lequel on peut comeback, autant faut être d'une précision chirurgicale quand on le fait. Faut être vraiment très très safe et voilà, et le clap qui est trouvé. Et du coup, ça fait 2-2. Last game. Hey, hello, Léo. I hope you're doing okay. Hope you can follow a bit the stream. Et comme dirait Just Play, let's go! Let's go! Et on est sur un petit équilibre entre nos deux adversaires. On va finir sur Tower of Even. C'est tendancieux. C'est très tendancieux, ça, Dofi. Car Tower of Even, c'est un peu la maison de Shibara. De Plutonio. On va sans plus je attendre. Je suis pas là-dessus, je connais pas le lore. Hein. Genre... non, mais plus sérieusement, c'est une map que l'ami Plutonio aime énormément. Mais comme dirait Dofi, m'en fous, je suis là pour la bagarre. Et on va voir ce que la bagarre donne du coup. À la fin, le score en haut, c'est quelques minutes. Il y a dû y avoir un petit bug, petit reset. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, ce score, vous ne le voyez pas. Pour le moment, ça se cherche énormément. Ça, je voulais neutral. Ils ont bien neutral. En même temps, jouer le neutral contre Rastor, ça fait un peu peur parce que peut vite te whiff punish. Et ces combos font très peur, évidemment. Puis bon, il y a joué le neutral, on se regarde sur les plateformes de l'Armada, il y a joué le neutral, on fait des moves dans tous les sens et on essaie de voir qui trouve la première hitbox. C'est pas mal quand même comme neutral. Il y a vraiment deux neutrals très différents dans les rois. Très belle approche. Et pour le moment, Il me semble que c'est le nerf, le double coup de pied. Oui, c'est le nerf. Oui, c'est ça. Et le kill qui est trouvé de la part de Pluto. Très très beau clap. Et pour le moment, l'avantage à Pluto. Là, ils se battent pour rester dans le tournoi. N'oublions pas, on est en loser. On est en loser. Et il y a deux socs partout, 30% seulement pour Dofi. C'est encore très très serré de part et d'autre. Belle petite phase de Dofi, malheureusement, ça se retourne contre lui. L'agression peut se maintenir malgré tout. L'avantage change de main. Mais avec le Silk Team, il faut faire attention. Ouais. Les bubules qui ne passeront pas. Les bubules qui sont parés, ça commence à être dangereux. En vrai, pareil, les bubules, ça change le match pour Kane. Hein. Ça change la vie. Ah bah, peu importe qui tu joues, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, c'est clair. Oh là là. Ça, c'était très très beau. Dofi qui mène un peu la danse. Quel est pour cet âge ? Ah, dommage. Non, malheureusement, le combo plutôt est droppé, l'avantage est droppé plutôt qu'il récupère l'avantage. Pour le moment, c'est compliqué. Est-ce que c'est un clap? Non, le clap qui ne passera pas. Est-ce que le clap passera? Et là. Oula. Il a failli read. Il faut faire une crise cardiaque. Ça va trop vite. Là, du coup, les deux sont à kill percent. Ça peut aller très très vite. De base, c'est ça va très très vite. Close. Ah, soyons honnêtes, très, ça va très close. Vite. Ça va très vite. Le backer qui est trouvé, le clap. Et... c'est bon, ce clap, il est trouvé. C'est au tour de Pluto de mener un peu là-dedans. Non mais... upper. Non mais y'a pas de soucis. Upper spike to down spike.
là c'est even de chez even. Comme la partie, rien n'est joué. De joueurs pour le moment. Il y a Trinisha qui veut venir me voir. Allez, viens. Belle petite phase de la part de Doofy, le Bubble Bunch into a pair qui ne passera pas malheureusement. Là c'est Plutonio qui récupère l'avantage, le Riddoroll qui est trouvé. Le faire. Oula. Doofy qui dit aïe bien. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Là vraiment Doofy qui a kill percent. Hein. Oh le clap. Et le clap. Et c'est Plutonio qui le prend. C'est Plutonio qui va prendre ça. Prend. Sur un set qui était très très serré. Franchement, les deux joueurs étaient très très bons sur ce set. Bah écoute, je suis très content d'avoir fait ça. Ah ouais, c'était... C'était fou. Insane. C'était insane. On va faire 5 petites minutes de pause. On revient à 22h45 au plus tard. On va juste opérer le changement de caster. Moi, je vais arrêter d'être votre régisseur. J'espère que ça vous aura plu. Trini, un plaisir d'avoir casté avec toi. Un plaisir, Kat. C'est... Voilà. Voilà. Et du coup, on fait une petite pause et on se revoit dans 5 minutes.
Bonjour le Streams. Hello, hello. Comment allez-vous? Ça repart. Ça repart tout de suite à toute berzingue. À toute berzingue. Ça va Trini? Ça va et toi Dauphine? Ça va, ça va. Merci à Kat qui fait du coup le régisseur officiel de l'RDE. Merci, merci Kat. Merci à lui, beaucoup de love sur lui. Et bonjour le chat. Bonjour le chat. Du coup on part sur Shade contre Bon Jovi. Ça part direct hein. Et ça part direct sur Merchant Port. Ouais. Du coup le matchup je le connais pas trop. Pour être honnête moi non plus. Je pense que c'est assez facile pour Shade de comboter. Surtout que c'est un gros perso, donc ça va. Mais Shade respecte bien, tu vois, genre. Mais la fumée, et, pas attention et tout, il le campe là actuellement. Non, c'est pas du camping, c'est du zoning. Ouais, c'est vrai, c'est du zoning. C'est vrai, t'as bien fait, tu fais bien de le dire. Attention. Donc là, Overheat, là, ça peut tuer vite. Hein. Bah, il a essayé un down smash spike, mais Banjo ouais. La tech. Ah merde. Bien joué à lui. Ouais, ah, phase de combo. Overheat. Ou le smash. Après c'est des deux côtés, hein. Mine de rien, on dit que Shade peut comboter facilement, mais Banjo aussi, mine de rien, parce que Eliana, ça a le flipper, l'angle flipper, la petite Eliana de roi. Eliana est une grande ouais. Top. Ouais, c'est ça. Non, c'est chiant. Le désavantage d'Eliana est nul. Là, on a plusieurs repères de la part de Shade. On a tenté de parier ça, mais on n'a pas réussi. On met la sticky bomb. Qui a une full stock d'avantage parce que. Ouais. Oh, mais voilà. Ouais, le hyper malédiction. C'est ça. Malédiction du caster, ça. Hein. Ah, on la connaît. On la connaît. Ouais, ça, regardez comment il se. Ça, il a pris la raison. Il a raison, mais voilà. On le voit. Et faux DI aussi. Ah. Mauvaise DI, ouais, sur ça. Je crois que c'était le drift qui est mauvais. Parce qu'il avait l'air d'avoir bien DI le premier. Ok, phase de combo de la part de Banjo, les dash attack. Les dash attack. Beaucoup de pourcentage dans le. Overheat. Franchement, ouais. Shade c'est toujours très carré. Hein. Ouais, c'est ça. Oh. En Shade, franchement, il est carré. Son joueur des bons et tout, non, franchement, bah, c'est Shade. Hein. Le missile qui passe par derrière pour casser le pilier. Je sais pas ce qu'il a voulu faire là, je sais pas si t'as vu. Je sais pas, peut-être une ride. Ouais, genre une ride, c'était marrant. Dernier pair, c'est dommage. Ouais. Overheat, il va falloir faire attention. Ok. Ouais, là, l'overheat, c'est beaucoup. Et les deux pairs. Non, mais je pense que c'est ces drifts qui sont pas ouf. Hein. Parce que là, la DI du pair qui était pas bonne. Ouais, dommage, un peu trop out. Ouais. En même temps, c'est un move un peu dur. Hein, oui, c'est sûr. À DI, hein. On va pas se mentir. Oui, bah, le plus dur c'est surtout de faire attention aux DI quand c'est le angle flipper et tout, c'est casse-couille. Mais ouais, les DI du upper c'est vraiment un enfer. Allez, on part sur la deuxième game, sur Tempest Peak. Ouais, bah, Banjo voilà. Vie qui est. La Banjo Vie Peak. Ah, on attend que Kat envoie le. Ce sont des choses qui arrivent. Yeah. Ouais, des choses qui arrivent. Il y a des personnes qui sont nées avec. Avec des goûts particuliers. Non mais voilà après. Ouais on juge pas hein. Ah déjà en overheat, ouais ça c'est ce qui est compliqué avec Eliana. Quand on est en overheat avec Eliana, les combos fonctionnent beaucoup moins. Donc on a moins de follow-up et tout. Et l'avantage est moins. Le désavantage est moins intéressant. Donc faire attention dans des phases comme ça de moins avoir d'overheat. Bon pour l'instant Bon Jovi qui fait c'est du Bon Jovi. Gestion hein jouer Eliana. Oui ah clairement. Ok, bonne phase de combo, pair. Pour le moment, le Banjo qui a l'avantage. Hein. Ouais. Des pourcents en tout cas. Pas de la ça peut partir vite, hein. Oh non. Franchement, bien joué à lui, hein. Ouais, bien joué. Oh, bonne part ici. Ouf. Là, on était pas loin d'un upper kill. Hein. Ah ouais. La Shade a beaucoup de mal. Ah, là, ça va être de la merde pour Rob. Ah, dommage, j'aurais pu avoir un follow-up avec un combo peut-être de la part de Shade. On tente de récupérer l'air dodge avec un fer, mais c'est pas touché. Le down V. Et okay. Banjo qui arrive bon à prendre faire sur un fer. Ouais. Qui est une belle anticipation de la dodge. Très carré. Ouais, non, Banjo il est vraiment bon pour ça. Tout ce qui est edge guard et tout ce qui est réussir à catch les gens avec les. Après un down B, il est bon pour ça. Oui. Très très juste. Du coup, Shade qui est presque une full stock en retard. Ouais. Mais ça peut très vite partir. Hein.
encore une fois. L'avantage des Ça respecte pas le side B, ouais. Après, c'est assez vicieux de jouer contre Banjo et surtout bon, contre Crack, c'est que le side B, normalement, t'as pas le pari. Hein. Et voilà. Ok, bon, bah, bon, ça me chie parce que si t'essayes de le pari, des fois, il peut juste faire une pivoter et puis il a pas d'hitbox et du coup, bah, ta pari est par nulle part et puis voilà. Tu te fais punir derrière. Bon, pour l'instant, ouais, Shed qui est beaucoup au corner là pour l'instant. C'est peu conseillé de parier le side B. Ouais, hein. C'est ça. Sauter au-dessus. Votre vie ne sera que meilleure. Que meilleure. Que douce. En tout cas, pour l'instant, ouais, bonne phase de combo de la part de Shade. Eliana Bidlake. Mauvais désavantage, mais par contre, l'avantage de d'Eliana qui est juste godlike. Très bonne DI de la part de Shade. Ouais, complètement. Il s'attendait à ce que ça envoie le rocher. Il était assez patient. Mmh. Ok. Il met la mine. Il va falloir faire attention. Elle est armée. Et voilà. Et là, ça lead dans les combos. Et du coup, Shade qui mine de rien Oh dommage, le perk, le smash qui aurait pu connect. Oh, oh, rattrapé son retard. Et voilà. Je sais pas si tu l'as vu, le missile qui allait directement sur le pilier. Si. Oh, c'est dommage. Ouais, parce que du coup, quand vous faites le pilier, quand vous faites le pilier avec Crag, vous avez un petit temps où justement il peut pas être détruit par des projos. Donc ouais. Parce que sinon, ce serait vraiment beaucoup trop simple de les faire. Oui, c'est sûr. Ce serait vraiment n'importe quoi. Ah, bonne part ici. Et ouais, l'up smash qui va tuer 177%, ça tue. Pas de questions à avoir. Ouais, c'est ça. Et pour le moment, du coup, une game très très even. Hein, ouais. Pour l'instant, Shade qui temporise un max, hein, essaye de trouver l'ouverture et tout. Ouais. Ça se passe bien pour le moment pour Shade. Ouais. Parce que je sais que Shade c'est pas un grand fan du down tilt, donc ça m'étonne pas forcément qu'il essaye de l'approcher par le dessus. Oui. Avec le nerf éventuellement. Attention là, Banjo est vraiment dans une situation délicate, Shade est en overheat. Mais... Ouais, bonne pari, là, ouais, là ça va tuer. Hein. Ah dommage, ça aurait pu tuer s'il avait touché ça. Ok, il va refaire la même. Et là ça va être. Ouais. Ah le perru il aurait tué. C'est dommage, il a voulu tenter un truc. Attention hein, parce que Banjo ne va pas attendre pour punir ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, il reste toujours il y a 169%. En fait. Oh, il a tenté un truc, mais ouais, la DI de Banjo qui était. Bah, il a esquivé le up smash. Il a esquivé le styling. Ouais, c'est vrai, bien vu ça. Ouais, je pense que c'était le up smash qu'il a voulu éviter. Après c'est pareil, peut-être qu'il a cru que le punch il allait frapper. Alors le punch d'Eliana, si je dis pas de conneries, ça envoie où Eliana arrive en fait. Où Eliana est, ça va direction Eliana. Si je dis pas de conneries, c'est un des deux. Soit ça va vers la direction opposée, mais je crois que c'est la direction où Eliana, si je dis pas de conneries. Ah je... Le punch d'Eliana, ouais. Ça rien. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Et puis ben, prochain match, du coup 2-0 pour Shade sur Rockwall. Et du coup, ouais, ça part sur Rockwall. Rockwall. Donc, le counter pick de Banjo qui... Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça tue bien et c'est une des meilleures maps de Crag, ça m'étonne pas. Mais j'ai l'impression que c'est une des meilleures maps de beaucoup de personnages qui peuvent tuer assez rapidement à l'horizontale. C'est ça. Et en même temps, après, un petit peu tous les persos en profitent dans une certaine mesure, mais ouais, il y a des persos qui en profitent plus que d'autres. Bah, surtout le truc avec Crag. C'est son fer qui est casse-couille sur cette map parce que bah, t'es encore plus incité à DI in parce que si tu commences à DI out un fer, tu meurs très vite. Mais en même temps, c'est très pervers. Si tu DI in, bah, ouais, c'est fair into fair into fair. Et... Voilà, c'est ça. Voilà. T'as la même chose avec Orkane, avec le Baka éventuellement. Et c'est vrai ça. Ok, bon up smash ici, voilà. On a lead avec près le upper, classique. J'ai dit qu'avant, toujours aussi carré, hein, on se répète, ouais. Mais c'est. Ça reste constant, le niveau est très très bon. Non, Shade il est. Ouais. Shade il est bon et Banjo il se défend bien, c'est cool. C'est très très cool. Là pour le moment, Banjo qui joue assez safe, éviter de trop commit. Ouais. Faire attention, il va falloir commencer à mix-up les side B si on veut pas à chaque fois se faire pareil. Ouais, c'est une chose que Banjo. Bah déjà, Banjo fait beaucoup de side B dans le neutral. Voilà. Ouais. Là, deux stocks d'avance pour Shade. Là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être très très dur pour Banjo de comeback ça. Le bon smash qui tue pas, bonne DI de Shade. On a DI in. Des side B dans le neutral que je ne comprends. Alors je tiens à dire que en fait mine de rien, c'est pareil, le backer d'Eliana, c'est quelque chose de très très raciste, on parle beaucoup du upper, mais le backer est pareil.
Et c'est un petit peu le même fonctionnement que le fer de Krag. Alors, à mon avis, sur cette map, c'est pareil. Il va falloir faire attention à ça. Hein. C'est vrai, mais... tu es ultra vite. En même temps, c'est peut-être pas aussi simple à placer, quand même. Non, c'est pas simple. Mais Shade le placera, hein, c'est... Ah oui, non. Mais c'est clairement pas plus simple que le fer de crabe, bien entendu, mais c'est quand même quelque chose d'assez vénère. Oh, ah, punaise. Merde. Oh, bien vu de la part de... Et la double taunt, ouais. Quoi? Et il a décidé de partir dans son propre terme. Très bien. Ouais, carrément, ouais. Non, c'était... J'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais... Bah, okay. En fait, je pense qu'il a pris la stock, il a sauvé l'honneur, et après il a fait assez bon. Oh non, c'est... Oh, mais quel enfant... C'est nul ça, hein. C'est nul. Hein. Dis-nous, Banjo, hein, ce qui s'est passé dans le chat. Ouais, parce que franchement, les vrais combattants combattent jusqu'au bout. Hein. T'es pas, ouais. T'es pas spartiate, toi. T'iras pas au Valhalla. Hein. T'iras pas au Valhalla. T'iras voir, je sais pas qui, mais ouais, t'iras pas au Valhalla. Enfin bref, c'est pas grave, on va partir directement. Ben... Alors du coup, c'était Shade. Shade de Banjo, et là on va partir sur Zonix. Non, Zonix après. Non, c'est Zonix contre Pluto, je crois. Oui, c'est ça, Zonix plutôt. Ouais, Zonix plutôt, du coup, on part directement sur Zonix plutôt sur. Putain, merde. Merchant de porte, voilà. Oui. Attends, voilà, faut changer le layout. Zonix qui joue Rano. Qui joue quoi? Ah oui. Voilà. Ah putain, j'avais pas vu. Rano de doré. Alors, le Rano de Zonix est. Voilà. C'est le Rano de Zonix. Vous voyez la Clérène qui n'est pas censée être un perso ultra aggro. Voilà, vous avez Zonix et son Rano, c'est boosté le truc. Hein. Plus grosse phase d'avantage de Zonix, voilà, c'est compliqué. Et donc, pour l'instant, plutôt... boost, il aime montrer qu'il middle boost. Ouais, voilà, c'est un delta, tu vois. Ah, mauvaise idée de la part de Pluto. Di ouais. Up. Après, c'est compliqué, tu sais, Vrestor, c'est Vrestor et... tu oui, meurs très vite. Hein. Mais oui, la Dia... ouais, très vite. Et des fois, se prendre un Dacus comme ça, bah pour sens, ça surprend. Ouais. Oh, y a, dommage qu'il n'y a pas eu le double fer là. Ouais, clairement. C'est très dangereux de jouer contre un Rano offstage. Parce que le fer, même l'haricot et tout. Le fer est effrayant. Ah, ouais, le fer est vraiment trouvé. Bien. Mais ça sera pas suffisant. Et ouais, c'est un Rano que j'adore beaucoup, celui de Zonix, parce qu'il est. Il va vite. Enfin, globalement, c'est ça. Ouais, bon Dacus. Ouais. Le Dacus qui touche bien sur les côtés aussi, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Zonix qui veut en finir avec ce set. Ouais. Non, là il est énervé, il va aller en loser final. Retrouver Metaben pour lui montrer que c'est lui le patron. C'était un peu. C'était spaghetti. C'était. Bah, en fait, le truc c'est que. C'est pas une dash attack comme les. Oh là là. Bon, ok, très bien, y'a pas de soucis. Ce 3 stock éclair. Aïe. En 1 minute 27. C'est très dur. Mais bon, je crois plutôt va se ressaisir. Bien sûr. C'était le début, c'était compliqué, mais vas-y. Franchement, fan de Pluto. Ok, bon, mais du coup, on part sur Tower of Heaven. Ouais, et du coup, Zonix qui sort son Krag. Et Zonix qui sort le Rock City Boy. El Famoso Rock City Boy. Alors ça, c'est pas le Rock City Boy, ça c'est le... Comment on appelle ça déjà? Burrito. Oh, merde. City Boy. Ouais, le Burrito, c'est ça. Il est trop moche ce skin. Hein. Ouais, mais c'est un Burrito. Ouais, c'est vrai, donc on respecte le Burrito. En tout cas, pour l'instant, ouais, plutôt qu'il se fait boxer en tente le down B en spike et tout. Franchement, Zonix qui veut aller. Ok. Hein. Oh putain, il y avait une bonne phase de la part de Pluto avec le down air et tout là. Toujours très bonne. Non, Pluto, franchement, les phases de Pluto sont classiques. Sans fioriture, mais très efficaces. Très efficaces. Là, ouais, surtout très efficace. Ça te fait peur hein, de jouer contre Pluto. Là où il est ouais, très bon. Oh, ah, le kill. Bear up smash, ça m'étonne pas. Ouais, ça tue très bien. Très. C'est un kill confirme de crack ça, ah le oui, bear up smash. Et le caillou, il a des yeux aussi. Ouais. Ah, pourquoi je dis qu'il est dégueulasse, il me fait trop peur le caillou. Voilà. Ok, fair. On va tenter, on va continuer. Ah non, Zonix qui est. Ah, oula, Zonix qui est en train de bégayer sur son, sur son pilier, ouais. Je sais pas ce qu'il voulait faire, mais bon. Anticiper un. Pilier break, je sais pas. Ah non, mais ça c'est la plutôt neutrale, tu vois. Quand t'es contre plutôt en neutrale, tu bégayes tout le temps. Oui, c'est vrai. Ok, le fer, on a tenté le spike encore une fois. Oula. On détruit le rocher. Plutôt qu'il veut trouver qui laisser. Ah, dommage. Ah, ça a foutu Diaïn. C'est la personne qui est prise. Plutôt qu'il veut trouver parce que. Oh ah, c'est dommage. Il ne se laisse pas tranquille. Ah non, plutôt il s'en fout, il va offstage et il défonce.
Ouais, bon, voilà. Oh là là. Après, voilà quoi. Ghost et je ce perso, voilà quoi. Zonix, bon. Il est pas content. Once again, Plutonio qui fait 3 stocks. Oh là là. Et vas-y, non, je suis persuadé qu'il va pas se faire 3 stocks sur cette game. Attends, c'est quoi ces games là? Ah, c'est bon, tu l'as trouvé? Ok. Bon, du coup, on part directement sur Forest Floor. Ouais, Forest Floor. Ah, Treetop Lodge, putain, je suis trop con. Treetop Lodge. C'est pas parce qu'il y a un arbre que c'est. Ouais, non, mais c'est bon, en plus, je suis trop con. En plus, il y a le nom du stage, hein. Putain, je suis trop débile. Donc, Zonix qui sort son Force Burn. Ouais, le Force Burn de Zonix, je l'ai connu. Oh! Oui. Dommage, j'ai pas eu un follow-up de la part de Pluto ici. Je croyais pas trop. Ok. Ah, on tente le clap directement. Bah... C'était pas une mauvaise idée parce que tu fais le clap en fin de combo, tu es off stage et t'as ta possibilité de faire une bonne edge guard. Bah surtout si t'as pas de follow-up après. Ouais, si voilà, c'est ça. Si t'auras pas de follow-up après, c'est ta meilleure option. Plutôt, il est bon pour ça, c'est qu'il overextend pas ses combos et la plupart. Oh! Et le bon qui tue. Plutôt, il overextend pas ses combos et la plupart du temps, il les finit bien, tu vois. C'est vrai. Bon, là, merci. Il a vraiment pas envie de se faire 3 stocks. Non, ça va. C'est mission accomplie. Normalement, pour le moment, il est à une full stock d'avance. Plutôt. Ouais, full stock d'avance, complètement. Even pour cent, full stock, ouais, complètement. Il est chaud. Peut-être une stock vraiment even, espérons. Enfin, un set. Une game even. Ouais, Zonix essaye de faire du Nailax. Mais voilà, Nailax et Zonix et Zonix. Le bon backer ici. On essaie de chercher loin quand même, ouais. Dommage. Bah, Zonix et l'arrêt de la pari. Sur les plateformes, c'est très peu conseillé de Paris. Je le fais moi aussi, mais c'est... On le fait tous, hein. C'est une solution panique, hein, c'est normal, hein, c'est totalement normal. Mais c'est très peu conseillé parce que vraiment... tu te fais défoncer derrière, hein. Tu te fais défoncer. Ça laisse le temps de charger un smash des familles. On va tenter le Daring to a smash. Mais du coup, Zonix qui rattrape son retard. Ouais, Zonix qui rattrape son retard. Dommage, le clap qui a été un petit peu raté. Ouf. En tout cas, la DI n'était pas bien suivi. Attention, plus que... Aïe, aïe, aïe. C'est dommage, hein, parce qu'il a les bons follow-up et tout, mais c'est la DI follow qui suit pas à côté plutôt. Ah, la mauvaise DI. La cap into down smash. Alors, je sais pas combien il était de pourcent, mais je sais même pas si ça aurait été un petit peu compliqué de bien DI le down smash. Mais il était à une centaine, hein, quand même. Ouais, ça aurait été compliqué. C'était compliqué. Ouais. Mais franchement. Oh le combust. Oh, le combust. Oh dommage. Un complètement. Un comme ça quoi. Il s'est dit ouais allez vas-y là. Franchement j'ai envie de prendre la stock, il a appuyé sur son. il a fait ça putain. Oh mais incroyable. Incroyable. Et là du coup il a encore une fois. Un peu rattraper Zonix, mais ouais. Ça va être dur à 90% okay. Pour Astor, c'est dur. Hein. Ouais, c'est très dur. Ah, beaucoup de choses qui peuvent tuer et Zonix qui cherche le kill, clairement. Just Pluck qui s'impatiente beaucoup là, je trouve, en neutral. Hein. Il joue pas comme ça contre moi. Non, Just Pluck voulait vraiment faire quelque chose. 3-0. Il était vraiment pas très patient. Ouais, 3-0. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il a aussi un peu perdu patience au bout d'un moment. Donc ouais, plutôt là sur la dernière game, il a vraiment perdu patience. C'est dommage. Parce que franchement, ouais. Quand tu commences à chercher des. Quand tu joues Vrestor et que tu essayes de chercher des prises de neutral, ça se prend pas sur des dash attacks, ça se prend sur des whiff finish. Oui. Et quand t'es pas patient avec Vrestor, tu perds beaucoup d'interactions de neutral. Ouais, non, ouais, je comprends plutôt, hein, complètement, ça se voyait. Les deux premières games étaient compliquées. Ah, après, ouais. Ça reste Zonix, et Zonix a sorti son Rano et son Krag et ils viennent pas de nulle part. Ouais. Son Ranou il arrête pas de le taffer et son crack c'est pareil, il a un bon crack. Donc franchement, t'avais fait une bonne run et tout, donc franchement c'est bien joué. Et bien sûr, voilà, ça va de soi, c'est implicite, mais aussi GG Azozo qui a bien joué cette game. C'est deux games et la troisième aussi. Le prochain set c'est Shade Zonix. Shade Zonix, ouais. Sur match en porte du coup. Et donc Zonix qui ressort un Ranou. Qui sort Ranou contre Shade, d'accord. D'accord. En fait, je crois qu'il a vraiment. Il a pas le temps. Ouais. Il a vraiment envie d'en finir le plus vite. Ou alors il a envie d'envoyer un message, je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut faire. Oh là. Aïe aïe aïe. Ça commence, hein. Oh non. Donc là, faut pas oublier que sur ce set,
c'est en train de se battre pour la thune là. Ouais, là c'est la thune hein. Là celui qui gagne il est au moins 3ème. Là il y a la thuneuse boost hein. Il y a la thune en jeu. Oh. Purple ouais. Ou nerf per- Oui ouais sur le nerf c'est pas étonnant ça. Sur quand t'es près de la blast zone, ouais en plus si t'es à haut pour sans Onyx, non c'est pas étonnant. En fait t'as un sweet spot, un sour spot et quand tu tues avec les sweet spots ça tue bien. En tout cas sur le côté. Ok. Pour l'instant ça zone bien côté Shade, ouais. Il a une stock d'avance. Ça prend pas, il prend pas de risque. Il prend pas de risque et il a bien raison hein, quand on a l'avantage. Surtout que ouais sur. Pourquoi prendre des risques AF Smash, ah. Le Daxus aurait tué aussi. Le kill a été trouvé, mais pour le moment Shade il a toujours l'avantage. Oh là 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 là. Il gère super bien ses combos. Et on dirait que c'est facile comme ça de comboter derrière un missile, mais c'est pas facile du tout. Hein. Ah non, il faut maîtriser. Montagne. Ouais, non, par contre là c'est la mort. Ouais, ah, au revoir ouais. Shade. Hein. Le serpent qui s'envole. C'est fait. Parce qu'en fait, vous avez une mécanique qui s'appelle l'over avec Eliana. C'est un petit peu comme Vrestorm, mais c'est pas le même over. Quand vous maintenez le bouton d'attaque appuyé en même temps qu'un saut, bah, vous flottez un petit peu. Bah, du coup, faut jouer avec ça, avec le missile. Là où Vrestor, il prendra plus de hauteur quand il fera un move en même temps que son saut. Mais du coup, voilà, pour ceux qui connaissaient pas. Voilà. Dofi. Dofi, second Eliana, on n'oublie pas. Et voilà, le kill qui est trouvé, du coup, une game qui est très très even pour commencer. Ouais. Donc encore une fois, on zone. Zonix qui attend la pari pour approcher. Ouais, non. Bien, Shade il a pas envie de s'approcher, une bonne phase de combo de Zonix c'est très compliqué. Hein. Pas forcément que ça deal beaucoup de damage mais ça met offstage et après quand t'es offstage avec Eliana contre un Rano c'est compliqué. Hein. Surtout que Zonix il est vraiment vénère sur ses edge guard. Bonne phase de paire. On suit avec la fumée et tout, c'est bien vu. Mmh. Pour le moment Shade prend pas trop de risques. Hein. Ouais. Il veut la thune. Hein. Non mais il est là pour la thunasse. Hein. Là, en fait, faudrait sponsoriser toutes les semaines, hein, parce que là, oh. Incroyable ce combo. Oh. Il là, il utilise beaucoup le jump boost, je sais pas si tu vois le gros jump qu'il a, Rano. Ouais. Ah, ouais, là, ça va être compliqué pour lui. Ouais, ah. ouais. Oh, dommage. Bonne idée. Il a raté le missile, mais il est overheat, va falloir faire attention. Et voilà, le smash qui est trouvé. Bon, F-smash, et ça taunt. El Famoso. Et ça taunt. Donc, première game, 1-0 pour Shade. Ouais, c'est pas la loser finale, hein. On regarde pas trop le chat, mais bon, du coup, ouais, y a Kat qui discute avec les gens du chat. Ok, bah du coup, on va partir sur Jules Veil, et là, on pique côté Zonix, la Clirenne, légendaire Clirenne. La Clirenne nerve. Elle est énervée. Putain, je sais même plus parler, wesh. Et par contre, il veut aussi la thune. Ah oui, bah, Zonix, ouais, il a voulu tenter son Rano, ça aurait pu passer. Bah... Mais il aura plus de facilité, je pense, avec sa Clirenne. Après, Shade connaît bien le match-up, hein, ils jouent beaucoup ensemble et tout. Mais les deux se connaissent bien, c'est pour ça que, à la fois, tu sens qu'ils se connaissent bien, mais du coup, c'est vraiment une bataille à celui de soit qui est pas trop dans son jour, qui est pas trop dans le mood, ouais. Soit vraiment à celui qui s'adaptera le plus vite au moment, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Oh. Ouais, dommage. Il y a une bonne DI de la part de Shade, du coup, il y avait aucun follow-up possible de la part de Zonix. Oui. Peut-être un jump boost, je sais pas, sur la plate et tout, sur la plate boost. Un plate boost upper peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Et encore, il avait de quoi mix-up en l'air, Shade. C'était peut-être le truc qui faisait le plus de sens. Ouais, je pense, ouais, c'est juste qu'il s'y attendait pas forcément à la bonne DI. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, pour l'instant, pour l'instant, Zonix il reprend le stage control, ouais. Ah le stage beat qui a été un petit peu... Un peu spaghetti. Ah, ça panique un peu des deux côtés. Hein. Ouais. Shade qui a du mal à trouver ses EPR. Oh là 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 là. L'overheat qui est trouvé à Smash. L'overheat complètement trouvé, ouais. Et ça taunt, falloir faire attention à trop taunt. Hein, parce que... Ouais, si on taunt après, bah voilà, c'est le karma. Hein. Taunt, bonne DI. Body. Ah ouais, non, la DI était pas facile. Vas-y, non, je vais pas être mauvaise langue, hein, parce que moi j'aurais fait pareil. Non, elle était pas facile. Elle était pas facile. Surtout que ça partait vite et tout, en fin de combo et tout, on s'attendait pas au F Smash. Ok. Clairement. Bizarre par contre, ouais, parce que le B tu perds l'avantage et tout. Il y a pas eu de follow-up de la part de Shade énorme, mais en tout cas, ouais. Le B comme ça, ça peut se faire contre des personnages qui ont plus de. Oh là là, le F Smash. Le F Smash est bon. 89% meurt, hein.
Ouais, ouais. Je pense que la DI n'était pas on point, mais ouais, non, je crois pas. Très. Pas simple à. Non. Franchement, la DI sur jeu, faut pas en vouloir des fois, juste des fois, c'est compliqué de bien react. Surtout ça joue pas forcément sur une mauvaise DI, mais surtout sur la réaction des fois. Et en plus, avoir une mauvaise DI dans ce jeu, c'est punitif. Hein. Ah oui, clairement. Vraiment. Oh, dommage. Alors, je sais pas ce qu'il a voulu tenter, Shade. Ah voilà, on enlève notre statut de. D'overheat pour essayer de rico plus facilement. Ouais, le side. Ah ouais, d'accord, là pour le style, non, mais y'a pas de soucis, hein, vas-y, Shade. Non, vas-y, Sonic, y'a pas de soucis. Hein. 4 purple, hein, enfin, hein, parce que sinon. mais ça flex, genre vraiment. Ah ouais, non, là ça giga flex. Hein. Zonix, il ne taunte pas, il taunte dans le gameplay, il taunte pas avec C'est un foufou, hein. Zonix, ah, le foufou. Ah, mais Zonix, le crack, hein, genre. Ah ouais, le crack. Du coup, on part sur Frozen Fortress, on reste toujours sur les mains. Du coup, on reste c'est toujours là. Sur les mains. Frozen Fortress. Troisième game. 1-1. Yep, 1-1. Celui qui gagne ce set entre dans le top 3 de la thune. Ah non, attends, c'est BO5 là. Oui, bien sûr, mais qui gagne ce set, pas ce match. Ah oui, pardon, ouais. Autant pour. Ah, Crouch Cancel le missile. Après, je sais pas si c'est bien utile parce qu'il y a le temps, Shade, de follow-up en fait. Mais peut-être que c'est plus dur de t'envoyer par exemple avec un upper. Mais l'angle sera beaucoup plus bizarre en fait. C'est ça, c'est que. C'est un mix-up, je pense. Ouais. Est-ce que c'est optimal? Peut-être pas, mais. Ça peut. Si Shade est assez loin, je pense que c'est opti, ouais. Par contre, de près, la plupart du temps, il va tenter un uptil, tu vois. Ok, on essaie de follow. Ok, on enlève notre overhit, ouais. Non, c'était. De toute façon, il avait pas le choix. Hein. Oula, Oh là là. La grosse gain sur le down smash, ça c'est pas bon. Heureusement qu'il était pas 3%. Ouais. Oui. Parce que là, il perd directement la place Mazoï. C'était terrible. Hein. Ouais. Mais wesh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y a une souris qui passe devant moi. Non, mais ça va la tête? et viens comme ça là et puis me voilà, non mais ça va? Prends un chat dans ta chambre. Oh non mais mec, ça fait un moment que la souris est cassée les pieds, ouais. Ah mais elle se balade, hein. Ok, bah, ouais, le side B. Ah, et on tue. Elle vient dire bonjour au stream. Ouais, c'est ça. Je vais finir par lui donner un nom, hein. Ouais. En tout cas, ouais, il s'attendait à ça, Shade, Zonix. La Shade, faut qu'il trouve le kill assez tôt, hein, s'il veut pas prendre trop de retard. Ouais, là c'est toujours les... Oh, ouais. Ah, ça pue ça. Hein. Ah, avec ouais, Rico assez haut, non, ça va. Ça Rico assez haut côté Shade. Pour le moment, Zonix il creuse l'écart. Hein. Là, tous les pourcentages qu'il prend, c'est du bonus. Hein. Ouais. Le personnage qui est trouvé, mais là, il a bien dit aïe. Il l'avait vu venir. Oh, dommage, le père il aurait tué. Après, c'est surtout Zonix qui a un super bon désavantage là. Hein. Ah oui. Il fait de très bonnes DI. Mais il reste safe. Ouais, tu vois, il commit pas. Il veut juste gratter des pourcentages au max. C'est ça là, il veut voir. Ouais, voilà. Ah, le père, c'est mort. Hein. Le père qui est trouvé, mais il a quand même gratté 76%. Ouais. C'est très clean. Il a un lead. Enfin, encore une fois, les combos d'Eliana peuvent vite te faire perdre un lead. Ouais. Mais. Voilà. Bon exemple. Ah, mais Zonix trouve le kill. Ça follow derrière. Il me semble que c'était un fair tipper into Dacus tipper. Ouais, c'est ça, je crois. Il y a beaucoup de rôles hein, côté Zonix, hein. Il y a énormément de rôles. En même temps, ça a l'air de marcher. Hein, ouais, ça a l'air de marcher, ouais, mais. Après, Shade n'a pas forcément de. À part avec l'overheat, après, il n'a pas forcément de moyens opti de pouvoir le punish. Donc, ouais. Mmh. En vrai, ça a l'air compliqué. Je sais pas trop comment est le. Oh là là. c'est vraiment Roll City, là, des deux côtés même. Là, ça joue dans la tête. Hein, ah oui, non, c'est et ça. Et les deux uppers. Mais 81% pour Shade, c'est la dernière stock pour les deux. 81% pour Shade, c'est quand même beaucoup. La No Fun Zone qui est posée, de Zonix. La plasma fille de la No Fun Zone. La No Fun Zone qui porte bien son nom, évidemment. Oh là là là. En plus, Zonix, c'est assez intérieur, tu sais, genre. c'est juste, tu.
C'est juste tu perds au moins 30 secondes à attendre que le truc s'enlève, tu vois. Bon, pas 30 secondes, un petit peu moins quand même, j'exagère, mais bon. Mais dans le ressenti, c'est ça, hein. Ouais, voilà, dans le ressenti temporel, subjectivo-temporel, ouais. Ah, le fer d'un smash qui était très bien trouvé, mais la Shade a bien dit high, et après il a trouvé le side B pour finir la game. Prétend. Donc ça fait 2-1 pour Zonix. 2-1 pour Zozo. Et du coup, Shade qui va changer, qui va switcher de personnage sur son Kag et qui va l'emmener sur Treetop Lodge. Yep. Shade. Du coup, ça pique le Krag de Shade, le fameux. Exactement. Peut-être qu'il se dit, bon, là, Eliana, ça marche pas. On sort le Kag. Shade qui a un Krag, hein. Ah oui, oui, le Krag de Shade, il rigole pas. Il a un Krag, il a un Zetterburn. Je crois que c'est les deux seconds principaux de Shade, ouais. Il me semble, oui. C'est ça. Entre eux, ça se joue au counter-pick. Ouais, c'est pas faux, hein. Je pense que ça se joue au counter-pick et ça se joue aussi, justement, à l'adaptation et la connaissance de l'autre. Ouais. Ok, ouais. Shade qui avait l'ascendant au début, Le fou. Zonix il reprend. Ouais, Zonix là qui se reprend. Pour le moment c'est assez even. Ouais. Zonix qui voit un amour vraiment incroyable envers Krag. Son perso préféré. C'est vraiment pas du tout le perso plus fort du jeu d'après lui. Un lotier. Ouais, le fameux, ouais. Krag est un lotier. Oui, bien sûr. Et évidemment. Oh putain, ouais. Bon, ça par contre c'est pas l'autre tiers le fer, hein, le... ouais. Ouais, c'est son seul bon move. Ouais, le fameux bon move, après le nerf, bon c'est optionnel. Le nerf il est pas ouf du tout, hein, frame 4 et tout là. Ouais, c'est long frame 4. C'est assez long, ouais. Ah, le kill qui est trouvé. Le bon down smash ici qui est trouvé côté Zonix. D'ailleurs, le tipeur de down smash qui peut être étonnant. Oui. Le tipeur down smash qui est vraiment... En fait, si tu commences à die-in comme abouti, tu meurs très vite, en fait. Tu meurs plus que si tu die-out, en fait. C'est trop... C'est compliqué. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Mais pour après, je sais pas, c'est quoi. C'est, je crois que c'est de la no-die, il y a un drift particulier à la fin. Drift out. Pour éviter les honnêtement, bullets. J'en sais rien. Ouais. Je t'en veux pas. Merci. Un petit peu, mais pas beaucoup, mais ça va, t'inquiète. Alors, si c'est qu'un petit peu, ça va. Si c'est qu'un petit peu, ça va. Shade qui essaye de faire rebondir le caillou, ouais, sur le front door. Oui, c'est ce que... C'est ça. Ce qui était un bon move, mais je crois que la zone open zone était un peu trop basse. Ouais. Très bonne DI. Shade qui arrive à revenir. Malgré les moult situations d'Ashguard que Zonix essaye de mettre Shade dedans, Shade recover vraiment très très bien. Ouais. Quand tu connais quelques... Ouais, ça tu trouves pas. Non, quand tu lis quelques mix-up de Rico avec Krag, ça... c'est pas mal. Et surtout que le perso, il y en a quand même pas mal. Ouais, il a une Rico qui est quand même pas mal. Ouais, assez... non, la Rico de Krag, elle est bonne. Elle peut être assez vite prévisible, mais elle est pas mal. Ouais, le mais justement, ça joue surtout sur les mix-up et tout. Et vu le nombre de mix-up que t'as avec Krag, avec le rocher et tout, le side B et tout, là... Bon, franchement, ça va. C'est une bonne Rico. Ouais, final. Voilà, tu peux faire des trucs comme ça aussi, tu vois, genre... ouais, du coup... Franchement, c'est bien pensé, hein. Ah non, c'est bien pensé. Ok, non, Zonix, il reste ultra patient contre il Shade. Il est stoïque. Ouais. En même temps, Shade, là, ce qu'il veut, c'est creuser l'avantage, hein. Là, il meurt de presque n'importe quoi, il veut creuser l'avantage. Et Zonix, justement, ne veut pas ça. Ah, surtout que quand tu commences à rater un truc avec contre Krag... Le perso a des moves qui partent ultra vite. Ouais, bon down smash tipper. Que ce soit le down tilt, que ce soit le nerf, c'est même pas que des aérioles hein, qui partent vite, c'est même des moves grounded et tout, donc c'est très dur de jouer contre Krag. Et derrière t'as des free punish et tout, c'est un petit peu nul. En fait, si t'as l'avantage contre Krag, tout se passe bien, mais le moment où Krag commence à prendre l'ascendance. Ah merde. Ah, ouais. Il avait plus d'options. Bah je crois qu'il a wall jump trop tôt, tu vois. Ouais. Je crois qu'il a fait up B first, première, ouais, et après il a fait le wall jump direct.
C'est ça. Bon. Ah, bah ouais. Okay. Bon, ça m'étonne pas. Bon, mais du coup, on part directement sur, sur Blazing Adot, ma femme, avec Shade contre Zonix, format de Krag. Format de Kag. Le 20XX de Rivals, il est là. C'est ça. c'est exactement ça. C'est pas Zetterburn en fait. Non, c'est pas Zetterburn, c'est. Non. C'est Krag. C'est Kag. C'est clairement Kag. Zetterburn, il a un shine, mais le shine, il est pas aussi cassé que le shine de Krag qui part frame 4 et qu'en plus de ça, ça a la range d'une épée, tu vois. Mais après, qui peut que être utilisé en l'air, mais en même temps, voilà. Ouais, bon, voilà, après, on va pas s'en plaindre. Hein. Qui est pas pindé sur un spécial, mais voilà. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour l'instant, c'est Nergaming. Oh là là, c'est Nergaming là. Et là, n'oublions pas, là, c'est 2-2. Hein. Le prochain, il avance dans le tournoi et reçoit la thune. C'est ça. La thune, c'est important. Et pour le moment, Sheik a l'ascendant au niveau des pourcents. Mais ça peut vite changer avec Krag. Hein. On n'oublie pas. Hein. Kagito là. Oh là là. Bon follow-up de la part de Sheik qui crée ça. Très très belle read in dans le smash qui n'a pas purple, mais en même temps je pense que ça a surpris. Zonix qui y va, il a pas peur. Ouais, Zonix c'est pas le genre de gars à avoir peur d'aller off stage. Ah vraiment, c'est vraiment tout le contraire même. Mais il aime bien prendre des risques. Il bouscule ouais. Il prend des risques, c'est ça. Des fois ça paye, des fois ça paye pas, mais bon, la plupart du temps ça paye quand même. Et le truc aussi, c'est que quand tu joues très risqué à prendre à bousculer ton adversaire, quand tu auras l'ascendant psychologique, bah tu vas sûrement le garder en fait. C'est ça. Mais là pour l'instant, on parle, mais Shade, il a une grosse avance. Hein. Grosse avance. Ah, ouais. Zonix prend la 77%. Stock. En vrai, non, 77%, ça te rattrape vite contre Krag. Hein. Oui, ça se rattrape très vite, mais en même temps, ça, tu peux aussi vite capitaliser dessus. Hein. Ouais, c'est ça. C'est... Ah, dommage. Ok. Attention, okay, ouais. La situation d'Edgeguard. Oh, le fer. Il est vraiment bon. Sur ses phases d'Edgeguard, c'est pas parti très loin. Il a perdu le stage control, mais en tout cas, il aurait pu avoir quelque chose derrière. Le down smash encore une fois. Le down smash qui fait mal. Mais toujours Shade, hein. C'est toujours pas très loin de perdre la stock, bah voilà. Wesh, c'est ce qu'on appelle une hard read. Ah oui, non, là c'est. Bah, je sais pas si c'est une hard read ou si vraiment. Bah, Zonix, il s'attendait vraiment pas à ça, je pense. Hein. Ah non, je pense que là. Après, c'est très pervers, hein. Genre, le F-Smash de Krag, il est pervers parce qu'il se recule un petit peu, tu vois. Du coup, des fois, tu peux vraiment te faire micro-space à cause de cette merde. Bah, en fait, tu glisses un peu. Ouais, ouais. Ah, et tu glisses en plus, c'est vrai. En lançant le smash. Donc c'est très fourbe comme un smash. Tu peux le lancer dans la même direction dans laquelle tu glisses, dans la direction inverse dans laquelle tu glisses, etc. Et, ouais. Il y a beaucoup de manières de se faire avoir au final. Pour le moment, Shade qui a un petit avantage au niveau des pourcents. Bah, plus maintenant, très bien. C'est cool. C'est cool le commentateur score, t'as vu? Ouais, c'est vraiment. C'est franchement une bonne invention. Je sais pas c'est qui l'a inventé, mais franchement, c'est cool. Hein. Un plaisir. Maintenant, faut voir qui c'est qui trouvera en premier le kill. Maintenant, on s'échange les rochers. Shade qui récupère son stock là. Ouais, c'est très even hein, là par contre. Hein. Très très even. On n'a pas de siège contrôle particulier, les deux. Ouais, bon, ok. Oh, last game, last stock. Et Zonix le prend avec un fer venu de nulle part. Aïe aïe aïe. Bon, mais du coup, Shade qui n'aura pas sa thunasse. Shade qui n'aura pas ses 20 boulas. Mais Zonix qui reçoit les 4 kebabs. Zonix qui au moins reçoit 4 kebabs, minimum. Minimum. On n'oublie pas que derrière il y a Metaben le BG qui arrive. C'est ça là, on fait. Là ça. Ah non, attends. On a fait la winner finale. Oui, on a fait la winner finale. Du coup là ça part en loser. Loser final et en plus. Et ensuite c'est la grande finale. Non, on n'a pas encore vu Meta. Oui, si, on l'a fait. On a fait la winner. Ah non, on l'a pas fait. Ah ouais, tu vois, on l'a pas fait. Mais j'étais convaincu qu'on l'avait fait. Voilà, je suis presque sûr qu'on l'a fait, hein. La winner finale. Attends, mais... Je suis quand même pas fou. La winner finale, il y a bien eu... Mais non, on a pas vu Metaben Nelax. On a vu Metaben Zonix.
Non, ok, c'est bon, je sais pourquoi je dis ça. Non, non, ok, non, je dis rien. Non, 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 je... non, oui, oui, ok, c'est bon. C'est parce que j'ai regardé, ok, non, parce que je me suis auto-spoil, j'avais regardé le match et du coup, mon cerveau il a bugué. Pardon, je suis désolé. Quelques lacunes cognitives du côté de compère. Ouais, non, c'est moi, je... ouais, pardon, compère Trini là, c'est... je suis fatigué là. Je suis fatigué, mais je reste frais, y a pas de soucis. Mais on reste frais. Du coup, Nailex contre Ouwu. Enfin, non, c'est pas Ouwu, là, c'est Owo. Enfin, je sais pas comment vous dites, vous les Furies, mais j'en sais rien. Trini, t'es un Furie ou pas? Non. Non? Bon, ok, c'est pas grave. Bon, mais du coup, c'est parti sur Razor Gate. Allez. C'est parti. Alors, je tiens à dire que ça se prononce Owo. Owo? Ok. Merci, Kat. Merci, Kat, franchement, le bon Furie Kat. N'oubliez pas. Incroyable. Du coup, sur les portes de l'éther, parce que je vais jamais essayer de prononcer ça en anglais. Leverliolith Cave. Voilà, c'est... voilà. En tout cas, bon, pour l'instant, bah, Nailax qui déroule son jeu. Oh, bah, ok, bah, très bien. Oh, pétard, ça c'est une stock qui est prise en 10 secondes. Très clairement, c'était très rapide. C'est très agressif, très rapide. Ok, bon combo. 26% au carré. Donc là, ça se bat pour la thune, encore une fois. Alors là, non, là ça, oui, ça se bat pour, bah, pour la... Ça se bat pour la deuxième place, en fait. Ouais, ouais, pour la deuxième place, ouais. Pour la garantie de la deuxième place. C'est ça. Même pas forcément, non. Bah non. Bah si. Bah non, c'est la winner. Donc tu pars en loser et tu peux terminer troisième. Ouais, bah oui, mais si tu gagnes, du coup, t'es deuxième. Sur celle-ci? Ouais. Mais non. Non, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais il sent... Mais non, mais vu que c'est la loupe, c'est... Bon, on est en train de parler, mais... En tout cas, pour le moment, net. Alors, ouais, pour le gagnant Alex, va en grande finale, il sera assuré d'être au moins deuxième. Oui, voilà, d'avoir la première ou la deuxième place. Et oui, est garanti mais... d'être au moins troisième. Ah, mais putain, je suis... Non, mais c'est moi qui suis con. Non, mais c'est la fatigue, vous inquiétez pas. Non, mais Dwaf, il est... Dwaf, il est fatigué. En fait, je parlais au niveau du loser, en fait. Ah, mais non, mais là, on est voilà. En Voilà. Oui, oui, non, non, mais ce que je veux dire, je parlais pour le mec qui allait perdre, tu vois. Voilà. Et voilà. Et non, super, mais le temps qu'on le temps qu'on débatte, il est terminé. Pardon, je suis désolé. 1 minute 30 la game. Nailax qui a vraiment pas lâché ses. Bon, ses ce qu'il faut retenir de la game, c'est que Nailax fait combo et Metaben prend combo. Voilà. Là, il va peut-être falloir un peu. Ouais, ouais, on va se concentrer là. Non, mais pour Meta, peut-être un peu ralentir le tempo. Ouais. Parce qu'on voit que Nailax il est prêt à l'agression. Mais en tout cas, en fait, 3 Nailax, stocks, il attend juste les whiffs de... C'est beaucoup de platcamp, hein, mine de rien. Nailax, bon, c'est pas bien de dire platcamp en soi, mais beaucoup de... Non, ça a une connotation négative. Sur les plates, ouais. Ça, mais c'est pas dit négativement. Mais oui, c'est beaucoup de ça, Nailax, son gameplay. Bah pour le moment, hein, c'est très even. Ouais. Là, du coup, bah, ce que je disais, hein, c'est que Meta, il a quand même ralenti le tempo. Ouais, là, c'est beaucoup plus lent. Et il a une petite avance quand même, Meta. Même si en vrai, ça se rattrape des deux côtés assez rapidement. Ah, ah ouais, le swash. J'adore ces combos à Nailax. Ne serait-ce que ce petit confirme là, back air, sweet, source une top smash, c'est trop bien. C'est Metaben, c'est pas Nailax. C'est incroyable. Hein. Ouais, Metaben, ouais. Quoi, je dis Nailax, moi? Non, mais c'est incroyable, ça. Mais... Il y a des neurones qui sont présents, mais si, on sait t'inquiète, pas où. Ils sont présents, ils sont à côté. C'est la souris qui me les a volés. Ah, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça, ouais. Bon, bref, en tout cas... Ah, toujours dommage, pas... il y avait un follow-up, hein. Il y avait un follow-up sur la plateforme. Ouais. Mais attention, hein, Nailax, il a 146, le kill... Le Dacus qui a failli être pris, hein. Et voilà. Le upper qui prend. Le upper qui est trouvé. Ok, le bon air ici. Mais je fais ça pour dépanner 4, mais just play. Bon back air ici. Après, peut-être que Banjo, s'il est chaud, il prendra ma place. Et le smash ici, ouais. Nayay qui a pris cette stock super vite. Et du coup, qui prend un ascendant d'une stock entière, c'est vraiment beaucoup. Ouais. Bon, du coup, en tout cas, là, pour l'instant... Oh, bon combo avec le clone. Ici, on a le nerf qui follow. Là, tu vois, j'ai l'impression que quand le match
commence à de nouveau aller un peu vite. Mais Tass, c'est pas là où il gagne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Quand il y a beaucoup d'agressions, Nene il prend très très vite l'ascendant. Et là, Meta il est quand même à 96. 96, ouais. Le kill peut être trouvé vite. Oui, très très vite. Parce que on aime bien dire que Forceburn ça tue pas, etc. Non, Forceburn ça tue bien des fois. Hein. Mais là, c'est très très bon avec Forceburn. Quand t'arrives à bien rip des trucs et tout, là voilà. Bon, le smash ça tue bien, hein. Le smash ça tue bien. Bon, après, le problème c'est que ça tue surtout quand tu touches derrière, tu vois. Ouais. Faut toucher derrière parce que sinon ça tue pas. Faut toucher là où la dague va commencer. Voilà, c'est ça. Donc c'est à dire derrière. Exactement. Ouais, du coup ça part sur Duel's Veil pour la troisième game. Duel's Veil pour la troisième game. Ça tente. Du coup, la tunasse, n'oublions pas ce qui est en jeu. C'est important. Très bonne phase d'avantage de la part de Meta pour commencer. Qui met un solide 43%. Oh là là. Ouais, ah. 43%, mais derrière il y a Nylax qui lui en met un petit 57, tu vois. Voilà, c'est ça. Oh. Ah. Il s'attendait à ce que. Mais le en vrai, il s'attendait pas forcément. La plupart du temps, Nylax, quand il met ses clones, il met son clone devant lui, tu vois. Wesh, comment il a mis son clone? Ça dépend, je trouve qu'il mix-up quand même beaucoup. Oui, il est mix-up, ouais. Mais la plupart du temps, en fait, sur le terrain, il va l'utiliser surtout comme un projectile. Et Enrico, par contre, il va mix-up, ouais, parce qu'il y a des mix-up à faire avec l'emplacement du clone. Mais sur le terrain, la plupart du temps, il va le mettre devant, ouais. Ouais. Les gars, il a beau dire que la Rico de Forceburn est éclatée, mine de rien, il Rico très bien, il y a quand même des mix-up à faire et c'est vraiment plaisant à voir, tu vois. C'est lui qui la maîtrise très bien, en fait. Oui, voilà, c'est ça, ouais, clairement. Mais Meta qui a un peu du mal à suivre. Hein. Ouais, Meta qui a du mal. Hein. Nylax, il... En fait, le problème, c'est que contre Nylax, il faut jouer vachement plus calme parce que... Bah, il sait gérer les déplacements et tout. Ouais, c'est ça, il va voilà. Finish. C'est exactement ça. Et là, il a le combust qui est chargé, hein. Ça peut partir. Ah, mais la Dacus qui est trouvée, ça va. Il retire le combust, il prend la stock. C'est du beau. Yep. Mais ça va quand même être dur de le clutch. Hein. Il va falloir être très très bon sur son neutral et sur ses combos. Ouais. Et je sais pas si Nylax va le permettre, simplement. Non, je pense pas. C'est compliqué quand t'as une avance comme ça. Il a pas de raison de commit là pour l'instant, Nylax. Hein. Clairement. Mais pourtant, il reste assez agressif. Meta qui a bien vu qu'il allait tenter de Rico sur la fumée du haut. Mais. Si t'arrives à catch cette fumée là. Ok. Oui. C'était spaghetti. Pour l'instant, ouais, c'est. Ah, Meta qui est quand même à 98, hein. Oh. Et qui prend la stock. Toujours le bon combo, le bon confirme. Franchement, après, là, avec Meta, on n'est pas à l'abri d'un double fair spike. Hein. Oui, clairement, oui. Là, il peut prendre la stock, il peut prendre la game. Oulala, la situation de Jgar. Oh non, il est un peu overextend. C'est dommage. La Meta 105 et le down smash qui. Alors voilà, là t'avais. En fait, je sais pas si t'as remarqué, mais c'était ultra intéressant. Parce que t'avais le clone qui était sur la plateforme, qui couvrait le saut. Oui. T'avais Nylax qui couvrait justement la roll et qui pouvait justement react si Metaben prenait trop son temps, tu vois. C'était ultra intéressant ce qui vient de se passer. Ouais. Franchement, l'interaction avec le clone, franchement, c'était intéressant. Ouais, c'est ça. Franchement, cool. C'était super intéressant. Et t'as vu quand il a cape, il est parti, Meta, ouais. Il a whiff un coup, il est revenu pour le down smash. Ouais, non, c'était super intéressant. Ouais, il pouvait pas sauter avec le clone, c'est exactement c'est exactement ça. C'était vraiment, pour le coup, c'était vraiment de l'option coverage, ouais. C'était un très bon coverage. Clairement. Alors, bon, du coup. Du coup, next, bah, c'est Zonix Meta en Losers Final. Et si tu veux, Dofi, je peux reprendre la fin. Ouais, si tu veux, parce qu'en vrai, j'ai travaillé toute la journée, je suis un petit peu fatigué. Et bah, c'est parti, moi, cette petite pause m'a fait beaucoup de bien. Merci à toi, Dofi, de m'avoir remplacé.
Eh ben merci à toi Kat de reprendre le truc et je vous dis bonne soirée à tout le monde et au chat et Trini et Kat, merci pour le cast et merci encore Banjo également. Bonne et soirée, bon courage pour la suite. Bonne soirée, ciao. Effectivement, merci encore Banjo, on le rappelle, il nous a bien sorti l'épine du pied, on va le dire. Du coup, rebonjour mon bon Trini, comment ça va? Eh, ça va et toi? On va partir du coup sur Zonix contre Awo. Donc les Awo, les UU, tout ça qui vient d'une des contrées asiatiques, notamment japonaises en particulier, mais d'une partie de la population qui était très inspirée et très touchée par la culture américanisée et américanisante. Et du coup, Tower of Heaven, je te propose que ce soit parti tout de suite. Mais quoi? Allez, c'est parti, Tower of Heaven. Ah, oui, Zonix, oui, qui est sur son crag. Il est sur son crag pour des raisons toutes bêtes, ça a été évoqué. Pour le côté moins exigeant du coup des inputs par rapport à Clairon, car effectivement, quand on joue crag, on appuie bouton plus que essayer de faire des inputs à peu près cohérents. Ceci dit. Après, surtout que le matchup crag est un matchup souvent méconnu. Bon, sûrement pas de metamen, mais c'est un matchup souvent méconnu. Et Metaman qui prend la stock hein, sur un edgeguard qui était carré. Qui était carré et Zonix il n'a pas surmonté effectivement. Zonix qui pense que le matchup est plus intéressant avec Crack qu'avec Clairon. Même si Metaman ne cache pas son amour quelque peu verroulé pour la Pantera. Le revenge kill qui est trouvé, ok, pas de soucis. C'était une DI out sur le caillou, ce qui a été fatal pour Metaman. Et pour le moment, c'est assez even, hein, mine de rien. Bah, c'est assez even, il y a eu deux kills qui ont été. Qui étaient très early. Un peu gimpy, on va dire. Un peu gimmicky des deux personnages. Mais à voir si ça arrivera à se concrétiser ce pic de Crag. Parce que bon, mine de rien, Meta il a quand même une certaine habitude de Crag, c'est pas comme s'il était. Sous-joué en France entre Sorio Phoenix, Doug Van Nuit, quelques Banjo. Joueurs autres, mais Banjo aussi. Il fut l'une des premières personnes avec lesquelles il avait beaucoup joué. Le double pari, c'est avec plaisir. Et là pour le moment, bah, ça a l'air de plutôt mal se goupiller pour le joueur Crag. Parce que bon, bah, dernière stock. Même ouh, si ça belle DI de méta. C'est compliqué. Ouais. Belle DI, effectivement. La méta, il veut creuser l'écart. Là. Et là, de côté, je maintiens que selon moi, c'est la situation dans laquelle il y a le plus à briller avec Rano. Il n'y a pas besoin de chercher des gros coups, il y a juste besoin de continuer à creuser l'écart. La, oui. La stock partira quasiment forcément, je veux dire. Voilà. Bon, là, c'était un petit peu. Il a sauté dans le sweet spot. C'était un petit bruh moment. Genre vraiment. Mais bon, il y a 126% sur Zonix. 134. Exactement. Bien vu. Visiblement, on est tous un peu fatigués. Dans tous les cas, Zonix est effectivement assez safe. Il était très spaghetti pour quelqu'un que je qualifie de safe. Ouais, Metal, ouais, il a juste à trouver le kill, Needle F Smash, ça passe. Et c'est très très bien trouvé de la part du joueur français. On va partir exactement. Du coup sur la game 2. La game 2. Et c'est ça, Spiritetree. Donc, bah écoute, c'est parti. Zonix qui reste sur Crag, hein. Zonix qui reste sur Crag toute la durée de ce BO5, pour être exact. Car il est en mode, ah oui, Clairon ne gagne pas assez le match-up, et avec mes problèmes de manette, il n'y a pas de raison que j'aille sur autre chose que Crag. Mais bon, ça ressemble quand même beaucoup à De La Jones. On va voir ce que ça va donner du coup sur Spiritetree, toujours sur le même match-up. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah ouais, faut assumer un petit peu. Et taunter un petit peu aussi. L'une de ses spécificités de cette map, c'est effectivement d'être particulièrement petite, donc Crag va tuer très très vite. Pas sûr que ce soit l'une des meilleures maps pour
pour Meta dans ce match-up. Ceci dit, il y aura toujours la possibilité d'aller chercher le crack killer en tapant le pilier ou de drop de la plateforme avec un fer. Ce qui reste quand même assez dangereux pour Zonix. Un kill rapide peut faire très très mal. Le smash qui va passer la langue, ceci dit, qui va garantir un bon landing. Le pari, le vintage, le tacos. Oui, non, ça s'appelle le tacos qui a été cassé. Le tacos face à un crack burrito. Hein. C'est un tacos très cubique. Hein. Très cubique comme tacos, mais. D'un autre côté, un bon taco, c'est un parfum. Ah, c'était dangereux, le pas et le pilier qui s'est fait avoir. Bien joué, bien joué. Très bien joué de la part de Meta. Et bien sûr, pareil punish au down smash. Parce que le down smash, il n'est pas content. Et là, le pari commence à être un peu punish. Méchant, mais non, ça ne suffira pas. Meta qui arrive à revenir et qui déroule malgré tout son jeu. Zonix qui a vraiment du mal à s'installer dans cette game. Là, il a un peu du mal à prendre la stock, mais je pense que ça ne se retarde. Voilà. Bah, il n'y avait plus du tout de ressources, c'était compliqué. Toujours, hein, la malédiction du courant de terre. Après, Metaben pensait peut-être qu'il allait finir dans sa bulle, et il n'a pas réagi du coup. Peut-être. Peut-être. S'il est là, peut-être s'il attendait un coup, je sais pas. Ouh, ça par contre, c'est dramatique. C'est dramatique. Le à 65%. 65%. Et Dacus qui est trouvé mais qui ne tuera pas. 65%, il a tué au upper, ça a purple. Et ça quand même. Je crois que c'est ce que Zonix il avait besoin là dans cette partie. Là, il est en train de creuser l'écart. Ah bah là, Zonix, comme dit, il a plus de raison d'approcher. Il sait que Meta a la patience et le niveau pour contester facilement. Il a aucune raison d'approcher et c'est la meilleure manière de jeu que de ne pas approcher dans cette situation. Ceci dit, ça ne suffira pas de ne pas approcher parce que Metaben lui sait mener ses agressions. Le faire aura pris la deuxième stock. Là, va falloir être prudent pour ne pas se faire avoir bêtement du côté de Zonix. Il est quand même déjà à 114%. Hein, 114%, un fer mal placé, c'est fini. Hein. Va falloir faire attention. Ah, le fast fall. Le fast fall qui va tuer notre joueur de Rano. C'est la première victoire de Zonix dans ce match. Exactement, petite, donc ça fait 1-1. Une petite envie de crever, exactement. On va continuer sur Blazing. c'est parti. Mais il connaît le backer à faire, hein, Zonix. Hein. Il le pratique beaucoup, donc il le tech. Donc Blazing Hideout. Va voir ce que ça donne du coup sur Blazing Hideout. Zebardi. Et le caillou qui est posé instantanément. Le 7B qui va être posé. Un peu de beatbox, ça fait toujours plaisir. Et bah Meta qui Zonix qui attend. Qui agresse dès le début. Hein. Il se passe 0 seconde entre le moment où le 7 commence et le moment où Zonix te fonce dessus. De l'autre côté, une seconde passée sans agression, est-ce que c'est une seconde utile? Ça dépend. Non, en vrai, ça dépend. Pour avoir joué contre Fougère, ça dépend énormément. Belle gestion de caillou de par Meta qui lit bien un peu. Qui lit bien les trajectoires que fait le caillou. Même si. Même s'il n'a pas l'habitude du crack de Zonix, et notamment de sa vitesse qui est un peu à la gym, on va dire. Il y a quand même une belle adaptation qui se fait au moins au sens naturel du terme. Non, mais Taven quand même s'adapte assez vite à ses adversaires, je trouve. Et comme dit, encore une fois, vu qu'il connaît le match-up Krag, il arrivera à s'occuper des options de Zonix, quoi. Là, il est là, perdu l'avantage. Il va réussir à choper le kill, non, l'attaque qui vient trouver. Zonix il ne meurt toujours pas, le fer qui est bien trouvé. Je parie ça va partir sur un Dacus. Je le sens. Je sens dans les veines qu'il y aura un Dacus là bientôt. Ouais, enfin, il y a un Dacus dans une game avec Metaben. J'avoue que c'est pas quelque chose. Ah non, qui est non. Très ok, j'ai perdu. Mais, j'ai perdu, c'était un backer. Un backer qui aura bien. My bad. Avec 78%, ça se rattrape. Il y a encore une autre slot pour. Entre guillemets, éponger un peu ce retard.
Là, y'a plus la stock pour éponger le retard, du coup, très très belle gestion de du géant Zonix. Franchement, c'est un bon timing. Le triple fer, ça fait mal. La Zonix qui creuse l'écart, hein, là, c'est même pas creux, ouais. Mais non, mais t'as Ben encore une fois, mais tac, qui coule le long de la du stage, un peu comme un paix foireux qui coule le long de la cuisse. C'est un peu mais, dommage. Mais tac, pardon. Mais t'as une fatigue. Envie de crever pisse. On va sur Triple Pound pour la game suivante. Counterpix, cette fois, assez intéressant mine de rien. Parce que là, l'edge guard va être plus violent. Le jeu d'avantage va être plus violent. Et ça sent que Zonix, il peut pas se déployer autant qu'il le souhaiterait dans son combo game. Donc c'est un pick assez intéressant mine de rien. On va voir qui de Hobo ou de Zonix va gagner. Moi je te propose de lancer ça tout de suite sans plus attendre. Bah allez hein, on est parti. Et bah c'est parti. Moi j'ai hâte de voir c'est parti. Ah, le Needle Boost, il me semble que l'état commence à intégrer le Needle Boost. Et ça c'est beau. Je vois pas encore très très bien ce qu'est le Needle Boost. Donc si t'as même précisé à quoi ça correspond exactement. Il me semble, dans le chat vous me corrigerez si je raconte des bêtises, mais il me semble que c'est une façon de plate boost, mais avec les needles au milieu. Et ce qui te fait, je crois, changer de côté en fait. Dans tous les cas, là, Zonix, il est un peu plus à l'aise que sur les games précédentes, un peu plus violent. Ceci dit, la DA est un peu foireuse, Metaben qui arrive à prendre la stock là-dessus, ça lui fait du bien, il va pouvoir expirer, il va pouvoir reprendre de l'avantage. Le corps en backer, 48%, l'équilibre est revenu sans plus attendre. Wall of Pain, Rivals version, voilà. Et le petit backer qui va être trouvé, le backer encore une fois, non, ça ne suffira pas. La map est un peu trop grande pour permettre à Metaben. Là, il a plus d'options là, hein. Va falloir faire très attention. Et voilà, c'est la stock qui a été prise. Ah, ça se rend coup pour coup là, ce match il dure vraiment très peu de temps. Hein. Et là, les deux joueurs ont vraiment envie d'aller en finale. Okay, le Needle Boost, c'est le fait de quitter une plateforme avec le momentum de la course au sol de Rano conservé grâce au fait que Rano glisse un peu au début du chargement des Needles. Voilà, merci Metaben. Et au-delà de ça, du coup, belle petite phase du coup de Metaben qui, en plus d'être un super pédagogue, a fait une très très belle utilisation de la langue pour quelques pourcentages qui fait monter de plus en plus et de mieux en mieux. Car là, son adversaire. Il creuse l'écart. Ah, c'est ça, son adversaire il est vraiment dans une situation pas très confortable, on va dire. 95% de dernière stock face à un adversaire qui est à la fin de sa deuxième. C'est dur de remonter. Après, ces Zonix, hein, rien n'est encore fait. Ces Zonix sur Krag. Krag peut faire des douilles. Hein. Krag peut survivre longtemps. Et faire des douilles. Ah ouais, mais là, ça. Là, je pense que. Ouais. Non, c'est fini. C'est Tak qui a très très bien géré la protection de l'edge. Mais Tak qui équilibre le 2-2 pour. 2-2. On va voir qui c'est qui va aller en grande finale. Qui fait la bagarre. Qui va gagner à l'aide des pieds. Et qui va gagner la thune. C'est ça. Qui va gagner le plus de thunes. Qui va gagner entre 4 et 6 kebabs. Sur Fire Capital B. Et on va voir ce que ça donne. Counterpick du coup intéressant de Zonix. Qui même s'il n'aime pas du tout cette map avec Claren, a priori c'est une map sur laquelle il va survivre longtemps. Avec, encore une fois. Hein, avec son Zonix. La survivabilité. Avec son Krag. Pardon. Zonix qui joue Krag ou Krag qui joue Zonix, on ne le sait plus. Krag qui joue Krag. De toute façon, il joue un personnage où il est carry. Et record Kito. Et là, on est dans une situation particulière. Zonix, il va tout faire pour gagner. Il a plus le droit vraiment à l'échec. Même Metaben non plus au final. Hein. Là, celui qui perd ce set est troisième. Celui qui gagne part en grande finale. Et essaye de. Et au moins deuxième du coup, et essaye de gagner le plus de thunas. Mais voilà, comparé à la game d'avant où Metaben avait déjà plus le choix, là c'est Zonix qui n'a plus le choix, donc
Il va tout faire pour gagner, utiliser tous les outils qu'a Krag, notamment pour gérer son adversaire à distance. Parce que globalement, l'objectif... L'objectif, c'est de prendre les stocks de cette manière-là. Et de gérer la distance là où les needles et la langue n'arrivent pas. Exactement. Et pour le moment, Zonix a pris la première stock. Et a un petit lead pour le moment. Metaman n'a pas encore beaucoup de pourcentage. Il va falloir faire très attention et essayer de pas se faire douiller, pas se faire prendre de stock. Et essayer de lui prendre la stock le plus vite possible. Ouf, dommage, le Dacus qui était vraiment bien mis, bien pensé. Globalement, l'objectif c'est de gagner la bagarre, qu'on soit ou non en avance. En gros. De toute façon. Ouh, ah, ça, c'est un petit mix-up de méta qui va trouver et le Dacus. Qui a trouvé la punition sur le landing avec son Dacus. Très très bien pour la part de méta qui la prend, une avantage fait perdre un peu à son adversaire l'avantage qu'il avait. Là c'est l'équilibre qui est retrouvé, le momentum est du côté du Rano. Attention, hein, les situations d'edgeguard ça peut ne pas pardonner. Hein. Caillou mis en l'air c'était une bonne idée, méta est arrivé avant qu'il retombe. Ça glisse. Là c'est assez even. Hein, c'est les assez games qui durent plus longtemps hein, sur cette map. Hein. Évidemment. Pas comme dit, c'est la game sur laquelle Zonix veut le moins perdre, entre guillemets. Évidemment. Donc il est prêt à toutes les patiences pour gagner du kebab. Très très bien géré. Très très bien géré la punition de la non-tech avec le up song. Up smash. Oui, aussi. Up song, up smash. Et ouh, c'était vraiment très très close de pas toucher. Hein. Le petit se booster qui ne servira pas, mais le neutral qui va quand même être emporté par Metaman, qui rétablit l'équilibre. On est sur le last stock. Est-ce qu'on va atteindre le last hit last stock ou est-ce que l'un des deux joueurs qu'on a devant nous va nous éblouir d'une belle phase? On va voir ça. Last en tout cas, game, pour le moment, last stock. C'est effectivement last game, last stock. Ça va chercher extrêmement loin, il y a très très peu de ressources de part et d'autre. Non, Metaben qui arrive à revenir enfin sur le stage. 80%, 51%, 90% maintenant pour Metaben. Ça n'a plus vraiment le droit à l'erreur. C'est chaud. Oh là là, cette barrière. Sur le caillou. Stage. Là, il est vraiment cracked ce set. Hein. Ah bah, clairement, les deux joueurs se poussent réciproquement dans leur. Enfin, de part et d'autre dans leur retranchement. Bel avantage. On va faire attention là pour Meta. Hein. Bel avantage pour Zonix pour le moment. Ouh, la bulle qui est très très bien placée, je pense à quelques pixels près. C'était peut-être même pas prévu. Oh là là, Meta il est à 153. Une pichenette de Krag peut le tuer. Oh là là. Non. Mais ils y vont. C'est fini, c'est fini. Ils y vont. Metaben qui clutch, Metaben qui reprend. Zonix qui s'arrête en 3ème place et le upset, un peu de folie furieuse hein, c'est très très c'est bien c'est un sacré upset. C'est un sacré upset. Et franchement, Meta, là sur la dernière interaction, il est vraiment, il y est allé. Il a pris des risques et il a vraiment bien joué, donné. Il a réussi à l'avoir. Il a absolument tout donné, c'était magnifique. C'était vraiment, vraiment beau. Du beau jeu de la part des deux joueurs. C'était un set vraiment superbe. Mais écoute, on va reprendre du coup la grande finale. On va refaire la winner's finale. Metaben contre Nelax. C'est reparti, quoi. Bah, c'est parti. Ça part de là. Et ouais, petite note de Nelax qui peut s'en vanter déjà, c'est que le top 2, il y a ni Shade ni Zonix. Dans le top 2, il y a les deux meilleurs joueurs FR officiellement actuellement. Donc, c'est vrai que c'est un peu un tournoi de la surprise. Hein. Ça fait plaisir des fois d'avoir un peu de surprise simplement, un peu de d'upset par-ci par-là. Si on regarde globalement, le top 4, c'est Nelax Meta, du coup, en premier et deuxième, donc les sites 3 et 4, respectivement, et Zonix, ouais. Qui est troisième, Shade, qui est quatrième.
le top 4 est respecté. Le top 6 est relativement respecté avec Bon Jovi, du coup seed 5, le seed 4 il est où? Il est là. Le seed 6, Duffy et Plutonio qui sont inversés. Globalement c'est plutôt bien respecté. Le globalement c'est plutôt bien respecté, mais... Le seul absent du top 8 qui est dans le top 8 dans le seeding c'est Maxime. Et il s'est incliné face au seed 7 Plutonio. Globalement, on est sur un seeding qui a été géré de main de maître par Dofi. Je profite avant de lancer la winners finale. Merci Dofi, merci Bidouf qui finance ça et qui s'occupe du TOWing. Voilà. Donc je vous propose de commencer sans plus attendre. Les bros, hein. Donc les bros. Voilà, les bros. Donc on commence sans plus attendre sur Merkenport. Une game, encore une fois, Nelax contre Metaben. Un match-up où. Nelax un peu plus libre que contre Shed, on va le voir sauter, utiliser les plateformes un peu plus. C'est sûr que là ça va être un peu moins patient, hein. On va pouvoir agresser à ce niveau là. Ah bah on va dire que l'erreur fera moins que contre une Eliana quoi. Oh, putain, ça fait 20 secondes, Nelax calme-toi. Nelax il est là pour les kebabs. Nelax là, franchement, il veut ses 10 kebabs. Mon dieu. Là franchement, je pense que ça va être explosif parce que là ça veut les kebabs. Hein. On est sur du kebab gaming là. Ah bah le kebab gaming et au-delà de ça, je veux dire, malgré tout, Metaben qui ne se laisse vraiment pas abattre, qui reprend instantanément ses esprits pour revenir un peu dans la game et sa deuxième stock qui se... Quoi? D'où sa langue elle a pas touché, je suis désolé, il y a un problème là. Hein. Il était sur le blind spot, il était trop proche. Il était trop proche de Rano en fait. Ah d'accord. Vraiment la, bon, la hitbox, c'est qu'elle part vraiment de devant le Rano. Metaben qui revient un petit peu, toujours un peu en retard. Est-ce que... C'est le retard qui se confirme. Le flash qui va se connecter, qui va tuer, qui va prendre la deuxième stock. Et là on est sur une dernière stock d'un Metaben qui doit assurer au moins 6 victoires. Sans que Nelax ne puisse en aligner 3. Pour revenir, ça commence déjà par une game compliquée dans ce set. Une game compliquée parce qu'il va falloir là, essayer de prendre les deux stocks. Alors que Meta est à 90. Ney il est à peine à 40%. C'est très très dur de clutch ça. Surtout contre des joueurs aussi solides, hein, mine de rien. Ou là on sait pas où est Nelax. Kebab. Il y a le combust, et voilà, le combust passe. Oh mon dieu, je sens que ça risque d'être intense. Mais t'as vraiment déjà se surpasser pour affronter c'est intense, son adversaire. Déjà. Et on va aller sur Air Armada. Pic intéressant pour Metaben. Je sais pas du tout ce que ça va donner pour Forceburn en tout cas. Je sais pas, des plateformes assez dures à atteindre quand même. Bah y'a peut-être moyen quand même d'aller chercher le pair, peut-être même de chercher le backer. On du Nelax qui a absolument pas le temps. Metaben qui va subir tout de suite sa furie. Il arrive à te retrouver un peu dans le neutral quelques coups, malheureusement. Le combo game de Nelax a été au-dessus sur ses premières phases en tout cas. Bah j'ai son du neutral, ceci dit pour le joueur de Rano, qui arrive à dérouler un peu son jeu à malgré la violence des phases de Nelax. Assurer quand même un damage output conséquent. Ah mais ça va faire extrêmement mal et ça va vraiment mauvaise pas faire DI sur le backer, hein. Ça pardonne pas, hein. C'est ça, et vu l'ampleur du match et vu le sérieux de Nelax, ça risque de pas vraiment se faire pardonner. On va voir si Metaben arrivera à remonter ça. Nelax il va pas s'empêcher de le punir pour cette erreur. C'est ça. Et de continuer à capitaliser sur cette erreur. Mais Meta ne se laisse pas abattre et continue d'essayer de chercher la stock. Et voilà. La stock, il l'a trouvé. Il l'a trouvé, mon neutrino. Sur un needle d'Acus qui est très clean. Simplement. Très très clean. Il me semble qu'il m'avait déjà dit que ce genre d'approche était trou quand t'avais les needles totalement chargés. Mais. Oui. C'est le cas. D'accord, bah très bien. C'est un timing, mais c'est un timing et un spacing, mais c'est le cas. Alors autant cette map ne gêne pas trop pour remonter vu que
vu la manière dont Rico les Rano. Ceci dit, il faut prendre en compte que... Ouh, ça c'est une situation intéressante pour Rano. Mais il faut prendre en compte qu'Armada est aussi une map sur laquelle Forgone est capable de revenir pas trop difficilement avec son Link. Oui, c'est vrai. Mais en même temps... Sans... Oh mon dieu, cette phase! Le Donner à la wave. Fin... Le Dunstrong, pardon, à la fin qui était très très bien trouvé. La phase qui était impériale de Nalax. C'est vraiment du beau jeu, hein. Nainai qui est un petit peu en retard en pourcent, mais ça peut très très vite basculer. Très très vite basculer. Surtout avec les potentielles surprises... surprises d'Aker. La possibilité surprise. De... alors ça doit être le nerf ou le fer qui dunk aussi sur, sur Forceburn. Il y a toujours moyen de se faire surprendre. Pas le fer, le fer de dunk. C'est le nerf du coup. C'est ok, sympa. Ok, pas de soucis. Nalax qui come back. Nalax, vraiment les tech chase sur les plateformes avec les up smash, il les gère. Ça. Vraiment. Il est... Le reverse up smash, il a pop-off. Le reverse up smash, il a pop-off, c'est tout à fait légitime. Est-ce que ça va être la dernière game de ce tournoi? Est-ce que MetaBen va faire l'impossible? On va voir ça sur Treetop Lodge. Alors là, s'il faudrait, là, c'est le reverse 3-0 hein, pour reset le bracket. Et alors surtout, c'est dur, parce que là... faire peur comme ça avec un petit bisou à la Blast Zone. Même si elle est très gentille. Qui se lave la zone. Pour le moment, c'est relativement even, comme dirait Fab, hein, la game des deux joueurs, tout ça, tout ça. Fab qu'on embrasse d'ailleurs. Bisous. Mais là, c'est compliqué, le neutral est très tendu. Ouh, le backer qui va être trouvé. Il y a quand même peu de neutral, souvent il se passe la phase d'avantage, quoi. C'est assez. C'est ça. Mais quand il y a le nerf qui est trouvé. Ça c'était le nerf du coup qu'on a vu en arrière du côté de Forceburn, si je ne me trompe pas. Je vis dans le moment présent en 4. Attention. Le père qui a failli être trouvé pour prendre une stock. Et voilà. Le petit Waveland into the Dunstrong, ça fait plaisir, ça prend la première stock. Et ça prend un sacré avantage car là le moindre avantage est vraiment une importance capitale. La fumée qui occupe bien l'espace. Même si Rano est bien capable de l'enlever, ça fait plaisir. Une première charge qui est chargée du côté Nalax, le clone qui va combus. Le backer qui est très très bien trouvé. Un backer surprise qui est trouvé. Là par contre, Meta qui est déjà à 123%. Ça va pas être très compliqué de trouver une kill côté Nalax. Mais là, MetaBen qui a une phase d'avantage de 70%, c'est vraiment bien trouvé. Il peut aussi vite trouver un kill, mine de rien. C'est très très compliqué. Les needles qui vont être posés. N'empêche, beau comeback de MetaBen qui, malgré tout, va quand même faire sa stock, mais qui a quand même. Ça, c'était une DI vers le haut, c'est dommage. DI vers le haut, dommage. Là, Nene, il va gratter là. Là il veut essayer de gratter. Bah là ça va être totalement l'objectif, ça va être potentiellement la dernière stock de son adversaire. Là il se... La possibilité de conclure le tournoi. Ou le Dakush qui va permettre un peu de répit. Là Meta il se bat pour sa vie dans ce tournoi. Là c'est la première place qui est en jeu. Nay il y a une stock de choper la première place. Et il va se battre pour l'avoir. Surtout que là il a la possibilité de terminer et ça aurait été ce sera peut-être de l'énergie un peu foutue en l'air que de voir est-ce que ça va cette suffire. Non, ça ne suffit toujours pas. MetaBen qui est toujours dans la conversation, pour ça c'est toujours jouable. La fumée elle est partout là. Et on sait pas où il est passé. Et Nalax qui arrive à choper le kill. Nalax qui chope le Dunstrong. Et Nalax qui remporte la RDE. La RDE 30e du nom. La 30e. GG à tous les participants. C'était un peu fou. Genre, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Bah, c'est.
franchement, tous les matchs étaient vraiment très très cool à voir. C'était du beau jeu et ça, on apprécie quoi. Et voilà, félicitations à Nellax, félicitations à Meta et Zonix pour effectivement la deuxième et troisième place. Juste pour faire la fin quand même du classement, on va avoir Shade, Bon Jovi et Plutonio derrière. Et en fin de top 8, Corkito et Dofi. Dofi qui a fait un très très beau match quand même contre Plutonio, rappelons-le. Et voilà, Nellax qui 5-0 tout le monde. Nellax qui n'a droppé que deux games contre Shade. Nellax qui avait vraiment besoin de la thune. Hein. Il voulait 10 kebabs. Il est très fin. C'est ça. C'est... Bon, en tout cas, c'était magnifique. Merci à tout le monde. Je propose de pas trop tarder et de laisser la main directement. Il est déjà minuit 5. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Merci à toi, Bon Jovi, d'avoir co-casté avec moi au début. Merci Trini d'avoir co-casté quasiment l'ensemble de ce tournoi. Merci Dofi qui avait pris la main. Merci à tous. Voilà, merci à tous. Et du coup, on va host la chaîne Rivals of Aether. Il y a le Speed Demon qui est en train de se faire pour le Spring Break. Jouez roi les enfants. Bisous. Bisous. Donc le raid est lancé, je vous invite à le rejoindre. Et que dire de plus. Moi je pense que le mot de la fin, quand même, c'est Owo. Oh, wow. Owo.